Thank you.
Oh, je viens de déposer les enfants, on est mardi, donc les enfants sont partis au collège, j'ai la matinée complète. Je vais pouvoir tourner la vidéo, le podcast, en fait, de la fin de l'été, hein. Il y a pas mal de soleil ce matin, je suis un peu éblouie par le soleil. Mais voilà, donc on est mardi. Je vais préparer ça, donc quand je tourne une vidéo, en général, je prépare un petit peu, hein, je me mets mes paniers autour de moi. J'essaye de bien aménager ça pour avoir tout sur place. Donc je vais aller faire ça. Je me fais un petit thé. Je vous tourne la vidéo. Et puis voilà. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Il me semble que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Et pourtant, c'est passé si vite. J'ai voulu revenir avant, hein, mais je ne pouvais pas. Je pouvais pas et j'avais de la famille qui a finalement au lieu de rester 7 jours est resté, enfin 5 jours est resté 10 jours à peu près, plus mon papa qui a embarqué quelques jours là-dessus. Et il me restait plus qu'une journée pour avoir une pause juste avant la rentrée. Donc voilà, c'était un petit peu rock'n'roll en fin d'août. Puis bon, vous savez, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Donc voilà, ça a été difficile de revenir avant. Mais je suis là, je reviens et on va parler de tous les projets que j'ai faits, les projets que j'ai, les choses que je vais faire avec vous, puisque je vais vous embarquer cette année avec moi. J'ai un peu réfléchi, hein, ça m'a permis de prendre une pause. Ouais. La perte de mon grand-père, ma petite mamie qui est allée à l'hôpital suite à son choc émotionnel. Vous vous rendez compte, quoi, perdre l'amour de sa vie, c'est la pire chose au monde, comme perdre un enfant. C'est ce qu'il y a de terrible. Mais en même temps, c'est la preuve que l'amour existe. Hein. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai pensé à beaucoup de choses. Et j'ai pensé beaucoup à vous aussi et à toutes les personnes avec qui j'échange. Et voilà. Et donc cette année, j'ai décidé de faire un petit changement dans ma chaîne. Vous allez voir. Donc je suis contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles hein, qui venez sur cette chaîne. Je suis contente, hein, mais de plus en plus. Alors je suis contente parce que ça permet de créer des liens. C'est vraiment chouette, il y a de belles personnes derrière les écrans. Et puis bah je vais peut-être en profiter pour me présenter dans le fond, puisque ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée. Donc je suis Ludivine Rose. Je suis franco-canadienne avec mon mari, mes deux enfants, actuellement en France. Je dis actuellement parce qu'on ne sait jamais, hein, on ne peut pas dire jamais, on a la bougeotte. Donc bon, pour le moment, on est dans les montagnes de la Savoie. C'est une belle journée aujourd'hui. Je vis donc avec mon mari, mes deux enfants, qui sont maintenant au collège. Enfin, maintenant, il y a déjà quelques temps qu'ils sont au collège tous les deux. Avec une grande fille de 14 ans et un petit garçon de 12 ans, qui lui est atteint d'une maladie rare. Notre chien, Husky, un husky sibérien qui vient du Canada avec nous. On a quatre. Chacun nos poules. Il y a Hattie, ma poule, Shipper, Poutine et Saint-Hubert. Alors pourquoi Poutine? Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous le savez, Poutine, c'est parce que au Québec, on adore manger la poutine. Enfin, nous, on l'adore et mon fils en est extrêmement fan. La poutine, c'est des frites avec du fromage. On appelle ça du fromage en crotte, hein, mais c'est trop drôle le nom. Mais chez nous, on l'appelle ça le fromage crunch crunch, parce que c'est quand on le mâche, ça fait un petit bruit de caoutchouc et oh, c'est trop bon. Et une petite sauce dessus. Alors, il y a des sauces italiennes, des sauces. Moi, j'aime l'original, hein. Coucou les Québécoises. Moi, perso, c'est l'original. Donc, poutine et Saint-Hubert en référence au restaurant Saint-Hubert, puisque au Québec, encore une fois, les restaurants Saint-Hubert sont des restos où vous pouvez manger du poulet grillé. Et mon mari, qui a beaucoup d'humour, a appelé son poulet Saint-Hubert comme le resto de poulet grillé. Donc voilà, nos quatre poules et notre beau jardin. Vous savez que j'adore jardiner. Et donc vous allez me suivre encore, peut-être un peu plus. Je crois que je vais vous emmener un peu plus parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte parce que je fais beaucoup de choses, hein, couture, tricot. Broderie, etc., cuisine, mais je fais beaucoup de jardin et cette année j'ai l'impression qu'il m'a pris énormément de temps par rapport à d'autres. Pourtant, on a eu un super de beau jardin. Franchement, on a eu des potirons comme, oh, comme jamais, mais voilà, des zucchinis. Enfin, c'est voilà, un très très beau jardin cette année, mais j'ai beaucoup bossé aussi.
Donc là, je vais faire un petit réaménagement de mon jardin, le nettoyage et tout. Et puis je me disais que ce serait peut-être sympa que vous jase de ça en même temps que je fais mon jardin. Ah, donc je suis donc Ludivine Rose, comme je disais, et je suis la créatrice derrière Rose et Balles de Laine, cette chaîne, mais aussi Rose et Balles de Laine Atelier sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry. Les personnes qui ne connaissent pas Ravelry, je vous le dis à la française, Ravelry. Je vous mettrai le détail dans la barre d'infos sous la vidéo. Si vous déroulez un petit peu, vous avez tout le détail des choses que je mets dans la vidéo. Des fois, ça m'arrive d'oublier un petit truc. À ce moment-là, envoyez-moi un petit message et j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible pour vous donner les infos. Mais voilà, donc Ravelry, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver. Donc l'inscription est gratuite. N'ayez pas peur que ce soit en anglais. Je pense qu'il y a une traduction qui se fait. Et vous inscrivez là-dessus et vous avez accès à énormément de patrons de crochet et de tricot. Ça vaut vraiment la peine. Donc moi j'ai un Ravelry. Vous pouvez me retrouver là. C'est Rose Hélène, mon nom là-dessus. Et bon, c'est vrai, je suis une mauvaise élève. Je ne mets pas tous mes projets que je fais au fur et à mesure. Mais bon, que voulez-vous? Pas être partout non plus, hein. Voilà, donc vous pouvez me retrouver là et sur mon blog, Les Aiguilles de Rose. Donc vous pouvez trouver plusieurs articles qui se rapportent en général à la chaîne aussi. Hein, des choses, des fois c'est un petit peu juste de blabla, mais des fois c'est aussi selon mes projets. Et vous avez quelques tutos que vous pouvez avoir. Donc si vous êtes abonné à mon blog, vous recevez quand je publie un article, vous recevez la notification et vous avez directement le PDF qui est joint. Alors, pourquoi c'est important? Si vous ne voulez pas manquer les PDF, notamment tous les patrons gratuits que je fais, vous avez intérêt de vous inscrire. Parce que comme ça, vous les recevez directement. Si vous avez un souci d'inscription, envoyez-moi un message. Et puis moi, je rentre votre email comme invité. Et ensuite de ça, vous recevrez les messages. Bon. Voilà, tout est dit. Aujourd'hui, verveine citronnée. Ça fait du bien. Avec l'hiver, la gorge et tout, ça fait du bien. Enfin, l'hiver, on est en été, mais bon. Non, je prépare mon hiver. Je prends en fait tous les matins, au réveil, je bois une tisane thym citronné ou thym menthe ou verveine citronnée. Je trouve que ça adoucit énormément la gorge et c'est léger pour l'estomac. Et après ça, dans la journée, c'est du thé à gogo. Hein, voilà. Bon, j'ai réussi à faire quand même quelques petites choses. Oui, même si l'été était chargé. J'ai quand même réussi à faire des choses, je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai eu des changements de projet, etc. Et je vais tout de suite commencer parce que vous avez vu en petite vidéo d'introduction, il s'agit de Connie ma girafe. Alors, si vous me suivez déjà, vous avez déjà certainement vu, ben je vais peut-être la prendre comme ça vous montrera, hop, un petit peu, je passe devant vous. Vous avez déjà vu la poupée cerf, Betty, et voici. Sally, ma poupée éléphant. Et je voulais rester dans le même style de poupée, mais j'avais très 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 envie d'un éléphant. Alors, je vous annonce tout de suite que je vous l'offre ce patron, puisque vous savez que mes autres patrons, vous pouvez les retrouver sur Makerist. Mais voilà, j'ai envie en fait, et je vais parler tout de suite de mon projet, entre guillemets, mais je vais peut-être l'affiner aussi à mesure de cette vidéo. J'ai envie cette année. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, hein, tout ce qui est arrivé. De vous embarquer avec moi dans mes façons de faire les choses. C'est-à-dire que peut-être que vous hésitez à coudre une poupée, peut-être que vous hésitez à tricoter, à crocheter, peu importe. Ben, je vais faire plus de tutos et je vais faire des patrons beaucoup plus gratuits, enfin, beaucoup plus gratuits. Plus gratuit, gratuit. Non, mais je vais vous les mettre à disposition pour beaucoup de patrons à partir de maintenant, puisque les nouveaux que je vais faire, puisque j'ai envie que vous essayiez, ne vous freinez pas pour un patron, ne vous freinez pas en vous disant c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, je vous ai mis à disposition sur mon blog. Donc, c'est pour ça que je vous dis si vous êtes abonné, c'est bien, puisque comme ça vous allez pouvoir le recevoir. Je vous ai mis à disposition le patron de Connie, ma girafe. Ça va vous permettre de voir un peu le matériel qu'il y a besoin d'avoir pour faire ce genre de projet, mais aussi vous allez voir que c'est en pas à pas en photo, comme tous mes autres patrons,
que j'avais fait jusqu'à maintenant et vous allez pouvoir voir la façon de faire. Ce qui fait que ça le met à disposition de tout le monde. Oh, et puis après tout, je me suis dit, bah, il faut qu'on ait du plaisir aussi. Et je trouve dommage qu'on se freine parce qu'on se dit, voilà, j'y arriverai pas et tout ça. Là, vous avez le patron à disposition, il n'y a plus qu'à. Ça vous donne au moins une idée de comment c'est fait. Donc voilà. Alors, je vous ai fait Connie la girafe. J'avais tellement envie de faire une girafe. Bon, sur le patron, moi, j'ai fait des grands, grands cornillons. C'est-à-dire des marteaux. Mais vous pouvez les faire plus courts. Vous pouvez adapter. Vous pouvez les faire plus courts si ça vous tente. Vous voyez, hop, si c'est plus court. Moi, j'aime bien parce que c'est grand. Ces cornillons sont dans le vent. Puis, je voulais... Voilà, c'est pas la girafe fidèle à l'image, mais c'est vraiment dans le style que moi, j'avais envie de lui donner. Donc, Connie, vous voyez, c'est une grande poupée. Hein. Voilà. Avec son long museau, ses petites pattes. Connie la girafe, j'aime beaucoup ses yeux. Donc ce sont des yeux brodés, donc vous verrez sur le patron. Vous découpez vos parties et vous venez avant tout broder les yeux. Donc ses yeux sont brodés. Vous voyez ici le fard à joues qui est fait avec de l'encre à tampon. Je vais vous montrer un petit peu. Je crois que j'en ai ici. Voilà, je vais vous montrer ça. J'ai eu des pots, des anciens pots à confiture en cadeau. La mamie du meilleur ami de mon fils a déménagé et elle m'a offert beaucoup, beaucoup de choses qu'ils avaient, puisqu'ils passent en beaucoup plus petit. Et elle avait des vieux pots de confiture. Vous voyez un peu la beauté des pots. Puis alors, c'est épais, hein, je veux dire, faut pas le faire tomber sur le pied ou casser le pied. Pas compliqué. C'est super épais, mais je les adore. Et c'est beau, j'en ai beaucoup, donc je m'en sers comme petit pot. Donc, pour faire les joues, vous prenez un pinceau, comme ça, ou un coton-tige. Ça peut pas être pinceau, un coton-tige, ça fait très bien l'affaire, un petit Q-tip. Et voilà le style de tampon que j'utilise. C'est de l'encre à tampon, en fait, tout simplement. Alors, il y a plusieurs couleurs. Celui-ci, c'est un rose un petit peu ambré. Vous avez des roses pâles, vous pouvez jouer là-dessus, vous pouvez mettre du brun. Si vous faites une poupée noire, par exemple, vous pouvez prendre de l'argenté, hein, un rose très pâle avec un petit peu d'argenté pour relever les joues. Voilà, il faut jouer avec les couleurs, ça peut être très sympa aussi. Donc, voici donc ma petite Connie avec, vous voyez, les tissus, les petits tissus anglais que j'avais conservés. Alors là, j'ai pris des chutes de tissus. Je lui ai fait un petit bandeau, puisque Connie est très féminine, avec une fleur en tissu. C'est un ruban, tout simplement, que j'ai noué derrière. Et j'ai collé une petite fleur en tissu. Pour les petites fleurs en tissu, vous en trouvez sur Internet. Vous pouvez acheter des fleurs en tissu déjà prêtes et vous venez les coller. Si vous ne voulez pas investir là-dedans, puisqu'il faut acheter plusieurs fleurs en tissu ou ça ne vous tente pas d'acheter sur Internet, vous allez acheter un élastique pour petite fille avec une fleur dessus. Et puis, vous coupez l'élastique et vous venez récupérer la fleur pour la coller dessus, tout simplement. Voilà, il faut ruser. Hein. Alors, ensuite, Connie, vous voyez son petit corps, ses petits bras attachés avec des boutons. J'ai mis des boutons royaux. Hein. Je ne sais pas s'il fait bien le focus. Oui, ces petits boutons-là avec les petites couronnes que j'adore. Bouton en bois. Je lui ai fait un gilet. Donc le gilet, vous allez pouvoir avoir le patron aussi dans le patron total. Attendez, je me rapproche un petit peu. Et voyez que c'est un petit gilet qui se tricote du haut vers le bas avec des aiguilles circulaires qu'on utilise en aller-retour. Donc c'est possible aussi d'utiliser des aiguilles droites ou des aiguilles double pointe, notamment pour faire les manches. Comme ça, il n'y a pas de couture. Vous voyez ? Sous les manches. Donc on commence par le haut, on fait une mini dentelle d'augmentation dans le haut. Vous voyez les petits trous? Ici les petites manches un petit peu relevées. Hop. Et puis la boutonnière est comprise dans le tricot, donc vous n'avez pas besoin de faire après coup, vous tricotez tout le corps en aller-retour en un seul morceau. Voilà, le petit gilet, tout simple, mais vraiment tout simple. Alors, il est fait avec une laine fingering, toute fine, et une laine de mohair.
mettez les deux fils ensemble et puis ça vous donne ça. Moi j'aime beaucoup l'effet velouté que ça donne aux choses. Et vous voyez que Connie, elle a un petit châle. Alors, je vous ai montré au tout début de la vidéo comment je mets son petit châle. En fait, vous verrez que ce petit châle, c'est ni plus ni moins que le début d'un grand châle. Tout simplement. Si vous avez un châle préféré, notamment en tricot ou en crochet, vous le démarrez, vous vous arrêtez à une certaine taille, hop, et ça vous fait un châle pour une poupée, tout simplement. Là, ici, il s'agit du châle un thé avec rose que je vous avais mis sur le blog. Donc, pas de panique quand vous allez recevoir la notification de l'article qui est publié pour Connie. Vous allez recevoir le patron de Connie au complet avec le patron de la poupée, le patron du gilet. Et vous avez en lien aussi, je vous ai mis le patron, du châle un thé avec rose, puisque vous l'avez avec pareil avec des photos explicatives, et vous n'avez juste qu'à pas changer de couleur. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez changer les couleurs, enfin, allez-y, hein, amusez-vous, vous pouvez faire un rang de chaque couleur si vous voulez. Hein. Mais vous avez la base du châle en crochet, et voilà, et ça vous permet de faire un petit châle pour la poupée. Alors comment je le mets? Je replie le bord, comme ça, pour qu'il soit bien long, et juste adapté au cou de ma poupée, je le mets comme ça, je viens croiser les ailettes derrière et je viens faire un petit nœud devant, tout simplement comme ça. Voilà, et ça c'est son petit châle, parce que Connie, c'est une aventurière. Et comme elle a le cou qui va très haut dans les nuages, elle va pas attraper froid. Donc voilà, le petit châle de Connie, son petit gilet. Et vous remarquez qu'elle a rien, elle a pas de bas. Parce qu'en fait, juste après le podcast, ne quittez pas puisque je vais vous montrer comment faire la jupe en vidéo. Donc j'ai pris une double gaze, une double gaze que j'adore, de chez Batikou. Voilà, une jolie petite double gaze qui est vraiment dans les tons. Vous voyez qu'on retrouve le bleu et le brun, un peu rouille. Et donc on va lui faire une petite jupe pour aller avec sa tenue. Bon là comme ça, ça vous donne rien, hein, mais vous verrez la petite jupe très sympa. Un peu dans le style de la jupe de Sally. Voilà, un peu dans ce style-là. Je vais faire le tuto en vidéo. Vous verrez que c'est facile. En fait, c'est une petite jupe tellement facile que vous pouvez l'adapter à toutes les poupées. Et ça tombe bien puisqu'il y aura d'autres poupées au long de ce podcast. Donc voilà, alors ça c'est Connie. On va lui faire sa petite jupe et c'était le projet qui m'a vraiment tenu pas mal de temps au mois de juillet. Voilà, ça c'était vraiment un truc que je voulais faire et je voulais vous le sortir. C'est surtout écrire tout le patron, faire les photos, le pas à pas, tout ça, c'est ça qui est le plus long. Hein, donc voilà. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver sur le blog uniquement les aiguilles de rose. Ça, c'est le premier projet terminé. Bon. Et ensuite, j'ai eu tout plein de choses qui se sont terminées et que j'ai gardées dans mon panier de l'été. Quelques petites choses qui se sont rajoutées dans mes projets et qui sont faites. Et je vais commencer, alors je ne l'ai pas mis dans le panier parce que j'avais vraiment pas envie de le chiffonner. Au début, je l'avais plié et en fait, ça garde les marques. Donc, on va commencer par le pull Whitmore. Regardez-moi cette beauté. Il est juste parfait pour moi. Je l'adore. La dentelle dans le haut, tout ce que j'aime, hein, les dentelles dans le haut. Les manches, moi j'ai choisi les manches bouffantes. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai tricoté. Whitmore, ça fait plusieurs fois que je le présente. Et le patron est sur Ravelry. C'est un patron de Amy Loden. Et franchement, il est hyper bien. Même pour des débutants. Franchement, vous êtes accompagné du début à la fin. Donc, je l'adore. Et je l'ai fait dans une laine de Drops. L'alpaga de Drops et le mohair de Drops. Donc, je vais vous le passer pour que vous voyez ce que ça donne un petit peu. Je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà. Le pull mis. Franchement, moi, je le trouve superbe. Moi, j'aime beaucoup. Alors, après, les manches, vous pouvez choisir de faire des manches différentes. Moi, j'aime beaucoup les manches qui retombent comme ça. Là, les manches un peu bouffantes qui retombent. Un peu comme...
Voilà, attendez, je vais les mettre droite. Un peu comme, ben, comme Amy, elle l'a fait. Là, moi, je trouve que voilà, il y a le côté romantique. J'aime beaucoup le. J'avais peur que le bas soit un peu juste, un peu trop court. Finalement, il est très très bien. Il tombe très très bien. Il est vraiment romantique à souhait, quoi. Et le rendu avec l'alpaga, oh, et le mohair, hein, j'aime beaucoup. Ça vaut vraiment la peine, par exemple, d'investir dans une belle laine. Là, j'ai fait dans une laine qui est vraiment abordable. Et je me dis, l'investir dans une autre laine fingering, ça peut peut-être valoir le coup. Donc voilà. Et ce qui est bien avec ce pull, c'est que le devant, le derrière, tout se tricote de la même façon. Donc c'est vraiment chouette, vous ne pouvez pas vous tromper. Et voilà. Donc ce pull, ça a été vraiment un plaisir à faire. Alors j'avoue quand même que tout le jersey ici, c'est un peu long. Autant pour la dentelle en haut, vous suivez les grilles et ça va très vite. Autant que le jersey du bas. Et alors en plus, quand vous voyez la longueur des manches, c'est vrai que c'est un peu long. Mais c'est très simple à faire. Voilà. Et franchement, comme je vous dis, si vous investissez dans une laine un petit peu plus luxueuse, ça doit être encore plus un régal à tricoter. Ce qui veut dire que un pull terminé, c'est un pull commencé aussi. J'avais prévu de commencer un pull pour moi, mais finalement, mon fils m'a fait une petite demande. Il m'a dit, maman, j'aimerais beaucoup que tu me tricotes un pull rouge. Donc, j'ai cherché, et en plus, à ce moment-là, j'ai regardé une série islandaise, et puis ça m'a redonné goût des pulls islandais. Sa fille, pas du tout influencée. Et je suis allée acheter ce patron. Sur Ravelry, qui s'appelle Ostur. Alors je pense que ça se prononce comme ça. J'ai pas fait d'islandais, mais je pense que ça se prononce comme ça. Leur nom, bon, vous voyez le nom ici est inscrit ici. C'est de la marque Loppi, donc ça tombe bien puisque c'est la laine que j'utilise aussi. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Et donc Victor a choisi de le prendre, enfin de l'avoir en rouge. Et pour ce qui concerne les tailles, en fait, vous avez XS, S, ML et XL. Alors, il vous donne en centimètres la mensuration de la poitrine. Donc, moi, j'ai regardé 80. Je me suis dit, pour mon fils, c'est pas mal. Donc, en taille XS. Et finalement, c'était un peu juste. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, j'ai commencé le pull. Donc, je suis partie. J'ai commencé avec le XS. Et quand j'ai vu que c'était un peu juste, j'ai fait une augmentation de maille pour avoir la taille S, qui fait 92 cm de tour de poitrine. Voilà, donc là, je pense que ça devrait le faire, mais de toute façon, au blocage, je vais peut-être étirer un petit peu. Donc voilà, ce pull, qui, somme toute, n'est pas bien compliqué pour le moment. On verra la suite. Et je vais vous montrer. Donc j'ai acheté de la laine. En fait, j'avais de la laine Loppi. Et j'en avais pas assez. Et pour faire le contraste, parce que bon, ok, il voulait rouge. Mais du coup, je fais comment pour faire les. Je fais comment pour les choix de couleurs. Donc mon fils m'a aidé à choisir. Donc là, je suis partie avec une Loppi rouge. Qui fait un peu moins pétante. Hein, l'écran, pour vrai, elle est plus coquelicot foncé. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il l'appelle coquelicot, si je ne me trompe pas. Bon, c'est pas marqué le. Bon. Et on a pris un gris clair, le crème blanc pour faire le tour, bien sûr, en blanc, et voilà, un gris clair pour faire le contraste. Donc le gris clair avec le blanc, et puis le gris foncé, ça va être pour certainement les. Le gris foncé d'ailleurs pour faire les chevreuils, ouais, ça doit être ça. Je pense qu'il voulait les chevreuils en gris tout en rouge. Ça aurait peut-être pas été top. Bah, ici, il utilise la même couleur pour les chevreuils que pour le reste du pull. Donc, bon, on a pris une laine de contraste. Bref, c'est quand même pas mal. Alors, j'aime pas trop ce genre de construction, mais bon, je suis habituée avec cette marque là. On commence par le bas jusqu'ici. Ensuite, on laisse en attente, on monte les manches et ensuite on regroupe
les trois morceaux ensemble pour faire le haut. Je suis pas fan, en général je trouve que c'est assez dur à regrouper, mais ça se fait bien quand même, mais c'est pas ma construction préférée. Donc voilà, alors j'ai commencé. Et voyez, je vous disais, ici, ça me semble un petit peu juste. Hein. Je vais vous montrer ça sur moi. Je trouve quand même, il a 12 ans, mais quand même, c'était un peu juste. Voilà. Donc là, ok, ça va s'étirer, parce que j'ai vu que sur l'image, il le porte assez large, enfin assez tiré. Donc on le tire, au blocage, ça va le faire. Mais du coup, j'ai augmenté ici, parce que sinon, je me suis dit, le corps, il va être vraiment serré, quoi. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de tricoter un pull comme ça, pour finalement pas le mettre? D'ailleurs, j'avais tricoté un autre pull, je crois que je l'avais fait en taille 12 ans, je crois. 10-12 ans. Et moi, je trouve que le XS, ben voilà, il taille 10-12 ans, 10 ans facile. Hein. Donc voilà, je l'ai augmenté. J'ai fait des petites augmentations qui ne se voient pas. Et j'ai augmenté pour avoir le même nombre de mailles ici, puisque c'est que du jersey, donc ça ne se voit pas, pour avoir un taille S. Vous voyez, le contraste beige et gris clair, c'est léger. À l'écran, c'est léger. Mais dans la réalité, ça se voit un petit peu plus. Donc c'est quand même pas mal parti. Et bon, du jersey tout droit, hein, ça va aller vite, enfin tout en rond là, ça va aller très très vite. Donc je fais ça le soir, juste avant de m'endormir, parce que bon, je pique du nez facilement en ce moment, donc je fais quelques tours de jersey et c'est bien parti. Voilà. Et mon intérieur que je soigne bien, enfin, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est le pull commencé, donc j'avais prévu de me faire un pull à moi, je l'ai mis un peu en attente, je vais faire celui de Victor. Et puis, je ferai certainement un truc pour ma fille aussi, pour qu'elle puisse avoir un petit quelque chose aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le projet, le gros projet pull que je suis en train de faire en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé dans mon panier de l'été? Ah, j'ai fait pas mal de petites choses. Qu'est-ce que je vous montre d'abord? Bah tiens, je vais vous montrer un petit peu les amigurumis que j'ai fait. J'étais partie. Alors là, je vous l'avais dit, hein, depuis longtemps, je vais poser mon petit panier. Je vous avais dit, depuis longtemps, je voulais faire le rhinocéros de ces superbes livres de Picapo. Voilà. Donc, le numéro 1 et le numéro 2. Et j'avais très envie donc, de me faire pour moi le rhinocéros que je trouvais super joli avec son petit maillot à fleurs. Donc, je suis partie là-dessus. Alors, comment ils s'appellent? C'est un que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des super noms. Ils ont tous une petite histoire. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Hector, le rhinocéros. Tout ça rigolo. Bon, moi, j'ai pas fait Hector. Je l'ai fait version féminine. Voici Hector, version originale. Version masculine. Voilà. Et Hector, lui, il aime faire le touriste. Il aime bien étudier le comportement des animaux, comme un anthropologue et un sociologue. Voilà, ça c'est sa petite histoire, toute mimi. Moi, je l'ai fait version féminine pour moi. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop. Alors, c'est gros, hein. Vous voyez que c'est quand même balèze, hein, comme bête. Donc, j'ai fait le petit maillot avec les petites fleurs. Je les ai faites toutes pâles, vraiment dans les tons pastels. Je me suis fait un petit foulard avec une chute de liberté. J'ai mis des yeux de sécurité sur celui-ci. Les petites joues roses. Oh, il est trop mignon. Vraiment mignon. Puis alors, moi, j'aime bien. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école rembourrée à fond pour que ce soit bien raide. Moi, je suis de l'école de... tout, j'aime beaucoup quand c'est moelleux, je trouve que c'est agréable. Bon, du coup je n'ai pas trop rembourré les petits bras, le petit pantalon, et en fait un truc par contre qui m'a un petit peu je dirais pas déçu, puisque quand même je veux dire faire un livre c'est énorme, hein, mais le truc que j'ai trouvé dommage c'est qu'il n'y a pas, il y a beaucoup de photos de technique, ça j'avoue que c'est quand même très bien. Mais il n'y a pas les photos de tout. Quand j'ai suivi le patron, à un moment donné, vous suivez le patron,
et elle vous dit de faire tel motif, de telle grille. Et là, vous vous dites, mais attendez, ça ne correspond pas au pantalon, ça? Ça ne marche pas? En fait, c'est le petit slip, c'est le petit boxer. Donc voilà, ça c'est le patron. En fait, vous voyez, ça fait des petits carrés. C'est le petit slip du rhinocéros. Ça, vous ne l'avez pas en photo dans le patron. Donc ça, c'est un petit peu surprenant quand vous passez à cette partie-là où vous attendez à faire des rayures et en fait pas du tout, vous avez le petit slip. Ou alors vous vous attendez à faire le bas du rhinocéros, tout simplement. C'est brillant, cela dit, hein. Moi, je trouve que c'est bien pensé. On dirait qu'elle est en short, tout simplement. Ça lui va très bien, même en short. Et le petit pantalon que vous faites après coup. Donc ça, c'est mon petit rhinocéros. Oh, j'ai vraiment aimé le faire. Pas de difficulté particulière, c'est toujours très bien expliqué, selon moi. Donc non, moi j'avais des craintes au début avec Picapo. J'avais entendu beaucoup de choses disant que c'était un peu difficile et tout, mais pas du tout en fait. Hein, c'est pas si difficile. Hein. En plus, vous voyez, oh, les petits pouces, c'est son petit pouce en l'air. Enfin bref, je l'aime beaucoup, il est très joli. C'est facile à faire. Et donc les petits points ici sont brodés après coup. Voilà. Ça, c'est mon petit rhinocéros. Je n'ai pas donné de nom en fait. C'est Hectorine. Voilà. Il est très joli. Donc j'étais partie sur ma lancée. Je m'étais dit, je me suis fait mon petit bonhomme pour les vacances. J'aime bien en faire un une fois par mois. Je trouve que un par mois, c'est raisonnable avec tous les projets que j'ai. Mais voilà, c'est le projet détente. Et là-dessus, je vais vous le faire dans l'ordre. J'ai ma copine Elisabeth. Et ensuite ma copine Sylvie. Donc Elisabeth, c'est Rosémine sur Instagram. Et Sylvie, c'est Marcel et Victoire sur Instagram. Eh bien, on s'est fait un petit groupe de poupées, de pépettes en fait. On leur donnera chacune un nom, je pense. Bon, en tout cas, je vais vous présenter la mienne. Donc, on s'est fait toutes les trois un petit groupe des poupées de Lucienne Compotille. Il faut que je vous montre ça parce que vous voyez, c'est un dossier lourd, les gars. C'est un dossier lourd. Il y en a du stuff là-dedans, mais oh, un pur bonheur. Bref, tout est parti avec Elisabeth. Et ensuite, avec Sylvie, on a embarqué pour faire cette petite poupée, Lucille et Lucie. Oh, Lucienne Compotine, mais c'est... Oh. Je veux déménager dans son monde. C'est tellement beau, c'est raffiné, c'est... Oh, c'est précis, c'est super. J'adore. Donc, on est parti à faire ça. Et de lui faire aussi une tenue. Parce que là, vous avez la poupée avec une petite tenue et on peut faire donc le dressing de Lulu. Vous avez la collection printemps-été. Hop. Avec énormément. Je trouve que, franchement, non seulement c'est hyper bien expliqué. Hein, franchement, je vous le dis, vous êtes... Oh, c'est détaillé, il y a des photos. Mais alors, il y a un choix dedans, quoi. Je veux dire, le dressing, vous pouvez tellement faire de choses. C'est super. Il y a la collection que j'ai prise. Hop, automne, hiver. Ouais, parce que c'était dans les jours où il faisait un peu moins beau. Donc, on s'est dit, c'est bien de faire une petite tenue d'été. Mais bon, il fait un peu frais, on va lui faire un petit gilet. J'ai aussi les jours de fête que j'ai pas commencé. Mais je vous jure que je vais les faire parce que j'adore. J'ai les Indiens. Oh, je peux vous dire qu'on a dévalisé. Hein. Franchement, c'était trop bien. J'ai les Indiens. Et j'ai les vacances de Sidonie. La petite Sidonie. Avec la petite Émilie. Moi, j'aimais bien. Je regardais ça quand j'étais jeune. Attendez, je pose ça là-bas. Hop. Et le pingouin. Qui en plus. Voilà. Tout ça, c'est des projets que je vais faire. Je peux vous dire que je me suis amusée à mettre tout ça de côté, choisir mes pelotes, prendre des couleurs d'automne, etc. Donc je vous présente Lizzie, ma petite poupée, puisque du coup on leur donne chacune un petit nom. Moi c'est Lizzie, puisque c'est Elisabeth qui m'a fait connaître Lucienne Compotine. Et donc du coup, je vous présente ma petite Lizzie. Alors, vous pouvez choisir dans les coiffures, vous pouvez faire, ah, c'est trop bien. Donc, je vous présente ma petite Lizzie, qui, elle, a des petites couettes en champignons.
Non, ça m'a plu. Soit je me crois déjà en automne, soit j'ai faim en fait, hein. Donc en champignons, en chignons, n'importe quoi. Alors, une petite coiffure en chignon avec une petite frange. Vous trouvez pas qu'elle me ressemble? Faudrait que je me fasse des chignons comme ça, quick. Et c'est moi. Voilà. Oh, j'adore, je trouve. Oh non, mais le monde des poupées. Enfin, franchement, si vous avez jamais fait de poupée, que ce soit en crochet, en tricot ou en couture, mais vraiment, vous manquez quelque chose, hein, parce que ça détend, quoi. Je veux dire, c'est génial. Donc, j'ai fait son petit chapeau parce que je lui ai fait cette petite tenue d'été avec le short. Je vous avoue que le short est un petit peu large, hein. En haut, j'ai été un petit peu. Je crois qu'il faut un petit peu le resserrer. Mais voilà, donc il y a la petite, le petit haut à bretelles et j'ai mis dessus un petit Liberty dans les tons orangés. Je trouvais que ça faisait une belle transition été-automne. Bref, j'ai adoré. Je lui ai fait le petit gilet mais à manches courtes. Alors le petit, alors la tenue c'est la tenue de printemps. Je veux pas me tromper, je veux vous guider vraiment. La poupée c'est la petite Lucie Compotille. Bon. Lucie. Oui, Lucille ou Lucie, puisque vous pouvez choisir. Donc, je vous montre. La poupée, c'est elle. Et vous pouvez choisir plusieurs coiffures. Vous avez aussi même la petite salopette, les petites chaussures, etc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite, je suis allée dans la tenue de printemps, été, pour faire, et voilà, c'est là, pour faire cette petite tenue. Oups, reste là, toi. J'ai fait cette petite tenue-là avec le petit sac. Je trouvais que ça faisait vraiment printemps-été. Voilà, cette petite tenue. Ça change un peu des robes. Mais soyez assurés que je vais me faire tout le dressing. Et c'est pour moi. Oh, je joue pas à la poupée, mais je trouve ça trop mignon. Enfin, c'est comme jouer, hein, en fait. Et j'ai fait pour le petit gilet. Je vais vous montrer. Tac, tac. J'ai fait le petit gilet. Moi, j'ai pas mis de couleur du dressing automne-hiver. J'ai fait les manches courtes et j'ai fait le patron de ce petit gilet. Voilà. C'est juste, juste mignon. J'ai choisi les petites babies. Je trouve que, voilà, moi, j'aime bien les petites babies. La construction de cette poupée est brillante. Je vous assure que c'était la première fois que je faisais une poupée de cette façon. Tant c'est du crochet, c'est une poupée au crochet. J'en suis pas à ma première, mais je peux vous dire que la façon de les faire, elle est juste, juste brillante. Il y a très peu de couture, très peu. C'est vraiment agréable. Alors, hop, le petit sac. Donc j'ai mixé. Ici, c'est du coton. Le petit haut, c'est du coton de chez Hobby. Le petit short, c'est du coton. Toute la poupée est en coton. Les petits yeux sont brodés. Ça, c'est chouette aussi. J'aime beaucoup quand c'est brodé. Pour les enfants, c'est bien aussi. C'est moins risqué. Et j'ai fait le petit gilet en alpaga de Drops. Et j'ai fait le petit sac en coton avec les pompons en alpaga de Drops. Tout mignon. Tout mignon. Donc voilà, Sylvie et Elisabeth. Vous avez vu ma version. Maintenant, j'attends les vôtres. Puisque du coup, on avait dit qu'on attendait de se montrer nos versions de nos petites pépettes. Donc voici ma petite Lizzie et franchement je l'aime. Et du coup, j'ai pas fait encore, je vais lui fabriquer une boîte rien que pour elle, où je vais mettre toutes les affaires qui seront pour elle, une petite valise. Je vais essayer de faire une petite valise en tissu, si ça vous intéresse, je la ferai avec vous. Et je vais mettre ma poupée dedans et toutes les petites affaires qui vont aller avec. Donc je vais essayer de récupérer du carton pour pouvoir faire cette petite valise, la recouvrir avec du tissu. Et puis ça peut être sympa dans les prochaines semaines à faire. Voilà, ça c'était donc ce projet qui est arrivé comme ça par surprise. Et ça m'a énormément remonté le moral puisque c'était à la période où j'avais perdu le papy de mon cœur. Voilà, donc ça c'est ma deuxième petite poupée. Émotion, émotion, à continuer. J'ai un cadeau à faire pour une petite fille de 2 ans. Et je me suis dit, mais quoi de mieux qu'une petite poupée en crochet personnalisée? Et donc là, j'ai ressorti. Oups, je pose mes feuilles.
J'ai ressorti mes livres de Picapeau, puisque je trouve quand même ça vaut la peine. Et je me suis dit, tiens, j'aurais bien envie de faire l'éléphant. Bon. Je vous le dis tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il y a une erreur dans le patron, dans mon livre. Il y a une erreur sur un rang, notamment sur un nombre de mailles. Vous avez à chaque fois, alors je vous explique comment il est fait ce livre, il est vraiment très bien. Franchement, si vous l'achetez, c'est juste, moi j'aime beaucoup les faire. Vous avez donc le patron qui est fait avec rang par rang. Et vous avez à la fin de chaque rang le nombre de mailles que vous êtes supposé avoir sur votre tour, sur votre rang. Et ça c'est bien. Mais il y a un moment donné, voilà, au niveau de la trompe, sur le rang 12, il y a une erreur, c'est-à-dire que vous êtes supposé avoir 18 mailles. Elle vous dit, voilà, vous devez faire tant de diminutions, tant de mailles. Et à la fin, elle vous dit, il vous reste normalement, vous devez faire une dernière diminution. Et elle a marqué 18. Ça arrive, c'est des petites erreurs. Ça arrive à tout le monde, dans tous les patrons. C'est normal. Il ne faut pas paniquer avec ça si vous êtes bien dans votre patron, vous suivez et vous vous dites, non, c'est pas logique, normalement, je dois avoir 18 mailles. Je ne peux pas faire 18 diminutions, quoi, c'est pas possible, puisqu'il me reste normalement 18 mailles. Donc voilà, c'est juste, je voulais vous le mentionner, il y a une petite erreur dans le livre. C'est pas grave, ça se corrige. Et ça se fait très bien, la preuve, puisque j'ai fait... Oh, j'ai oublié de vous dire son nom. Alors, c'est pareil, il me semble que c'est un garçon, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est une fille. N'importe quoi aujourd'hui. Louisa l'éléphante. Ce qui m'a trompée, c'est la couleur de son petit maillot, en fait. J'aurais plus pensé que c'était un petit gars avec son petit haut. Mais non, c'est Louisa l'éléphante. Alors, ma petite Louisa, moi, je l'ai faite vraiment pour une petite fille de 2 ans. Et je l'ai faite vraiment girly. Donc, je vous montre ma petite Louisa. Alors, j'ai fait quelques petits motifs, je vais vous expliquer quoi. Sa trompe, elle est vraiment énorme. Et je peux vous dire que ne rembourrez pas trop la trompe, cette partie-là, surtout, puisque sinon vous allez avoir une trompe comme ça, raide. Et là, c'est pas beau. Donc, comme un peu sur le livre, vous voulez qu'elle soit un peu rabattue, ce qui est un peu logique, ne la rembourrez pas trop, mais juste bien pour que le bébé puisse, pour que les enfants puissent les tenir comme ça. Parce que bon, il faut être clair, les enfants vont les tenir comme ça, ils vont tirer les oreilles, ils vont tirer les bras, voilà. Donc, attachez tout bien. Mais voilà, la trompe, je vous le dis, il ne faut pas trop la rembourrer. Bon, j'ai pas mis des yeux de sécurité parce que j'ai très peur que la petite tire dessus. Donc, j'ai brodé des yeux. Je me suis dit, c'est moins risqué. J'ai brodé plutôt que de mettre des yeux de sécurité. Et j'ai fait comme sur le patron, j'ai brodé le dessous des yeux pour faire les petites joues rosées. Voilà. J'ai fait. Donc, hop, elle voyait, elle n'a pas de petite culotte. C'est directement. Donc quand j'ai fait le rhinocéros, je ne me suis pas rendu compte, mais effectivement, il y avait la petite culotte. Elle, il n'y a pas de petite culotte. Voilà, donc ça prend beaucoup plus de laine. Je vais vous dire, pour le rhinocéros, et vous voyez, la tête pourtant elle est grosse. Hein. Vous les voyez l'un à côté de l'autre. Bon, normalement, l'éléphant a des jambes un peu plus longues. J'ai dû raccourcir. Pour le rhinocéros, j'ai eu besoin que d'une seule balle de laine grise. Et j'en ai eu encore suffisamment. Donc, il m'en restait. Dans la même collection... Oh, les petits fils qui grattent. Dans la même collection de coton, en fait, pour l'éléphant, j'ai été ric et rac. Je peux vous dire que j'ai dû ruser. Donc, c'est pour ça que j'ai raccourci les pattes. Parce que j'aurais pas eu assez de fils. Et effectivement, parce qu'il n'y a pas de culotte, donc tout le corps est fait dans le même coton. Ce qui fait que c'est un petit peu embêtant. Pensez, si vous voulez la faire, pensez à prendre 2 balles de coton. Pas qu'une seule, parce que vous allez être juste. Donc voilà, ou alors faites-lui une petite culotte improvisée, ou je ne sais pas. Ou alors raccourcissez les jambes comme moi. Mais voilà, bon, ça rend bien très très bien pareil, hein, elle est rigolote. Donc voilà, c'est juste ça, j'ai modifié, c'est la taille des jambes. Donc elle a un petit maillot à rayures. Moi j'ai mis que 2 rayures, j'ai pas fait 3 comme sur le livre. Vous voyez que sur le livre, il y a 3 rayures, bleu, blanc, rouge. J'en ai fait que 2. Voilà. J'ai mis un petit foulard avec une chute de Liberty aussi.
Je trouve que c'est vraiment la petite touche raffinée. J'ai fait un petit nœud. Et j'ai fait le petit pantalon. Alors le petit pantalon, je me suis régalée. Franchement, le point du pantalon, il est génial. Génial. Donc là, ce petit pantalon que j'ai fait en rose. En plus, vous voyez, il est vraiment assorti à mon petit Liberty. Les petites oreilles qui sont... Oh. Je vous l'ai dit, c'est brillant comme patron. C'est rigolo à faire. Il n'y a pratiquement pas de couture non plus. C'est vraiment chouette. J'étais pas trop sûre si j'allais le faire ou pas. J'ai fait le petit chapeau quand même. Et je peux vous dire que j'ai un petit peu galéré à le coudre. Le chapeau en lui-même à faire, ça va très bien. Le petit pompon aussi. Bien que je ne sois pas une experte non plus des pompons. J'ai toujours un trou. Donc je ne dois peut-être pas mettre assez de fil. Mais bon, pas grave. Par contre... Le coudre sur le haut de la tête, c'était pas facile. Pour moi, je vous dis que c'est quelque chose que je suis pas encore trop douée à faire ça là. Mais bon, bah, il est très très bien quand même. Enfin moi je le trouve trop mignon ce petit éléphant. Donc voilà, ça a été un projet qui s'est rajouté que j'ai fait en cadeau pour une petite fille de 2 ans. Donc là je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'emballer. Mais je me suis régalée à le faire. Voilà, ça c'est tous les petits projets crochets poupées que j'ai fait. Vous voyez que finalement, j'ai réussi entre deux. Alors je faisais quand il y avait la famille, parce que ça je l'ai fait quand il y a eu la famille de mon mari qui était là en vacances. Quand il faisait des sorties, je faisais un petit peu de crochet. Pendant que le repas mijotait, je faisais un petit peu de crochet. Quand on faisait, on prenait une petite pause après les repas, un petit peu de crochet. Et finalement, j'en suis venue à bout au bout d'une semaine. Donc voilà, ça a été très bien. Un beau projet. Je continue donc à vider mon sac de l'été, hop, avec un projet broderie que j'ai terminé, celui qui se trouvait dans cette pochette. Donc je vous remontre un petit peu le patron d'origine. Il s'agissait, oups, à l'endroit c'est mieux, du Stitcher's Garden, comme ceci. Et j'ai fait, moi aussi, le petit coussin. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Je vais mettre ça ici. J'ai choisi un tissu d'automne pour aller avec. Je trouvais que avec le... Oui, j'avais manqué de fil pendant les vacances. J'avais dû recommander. Vous voyez, j'ai pu continuer. Et donc, voici mon petit coussin de point de croix sur lin. Avec un tissu d'automne que j'avais eu chez Ink Art. C'est vraiment la belle transition entre l'été et l'automne. Vous ne trouvez pas? C'est vraiment toutes les couleurs que j'aime. Ça fait vraiment petite pensée, petit coquelicot. Il est très très beau. Bon. J'ai fait donc ce petit coussin que j'ai cousu à la machine et que j'ai terminé à la main ici pour que ce soit une belle finition. Je me dis que la prochaine fois, j'essaierai peut-être de mettre un petit galon en haut. Ça pourrait être une belle finition aussi. Je l'ai vraiment aimé, cette broderie. Vraiment. J'ai adoré la faire. J'ai trouvé facile. Bon, c'est vrai qu'ici, je l'avais eu de la misère avec un mix de couleurs. Je m'étais trompée de couleur, mais finalement, ça rend très très bien. Alors ici, à l'écran, on ne voit pas, mais en vrai, ça fait un petit beige avec un petit rose pâle. On ne voit pas trop. Peut-être je vous le ferai en... À la fin de la vidéo, je vous le ferai en zoom. Comme ça, vous verrez bien. Et puis... Oh, c'est tellement fin sur du lin. Voilà, donc ça c'est le petit projet terminé. Je vais pouvoir le mettre en déco sur mon bureau maintenant. Hop, comme ça, ça va être chouette. Je l'aurai devant moi et je trouve que faire des petits coussins comme ça, vous avez un petit plateau de coussins, ça peut être très sympathique. Voilà, même dans une entrée ou dans le salon. C'est très très joli. Donc ça a été mon petit projet broderie terminé. Je n'ai pas fait beaucoup de choses en broderie, je n'ai pas beaucoup avancé, notamment mon jardin de brodeuse qui est le cale par Fabienne de Un Petit Fil. J'ai pas beaucoup avancé, je vous dis que je suis à la bourre parce que finalement août j'ai pas réussi à faire grand chose, mais voilà, je l'avance quand même et je vais prendre du temps pour rattraper tout mon retard puisque je veux vite vite me moi j'y arriverai pas à le finir à temps, ça je le savais, mais... Bon voilà, on a eu la famille et vous savez ce que c'est la rentrée.
les affaires à préparer, la montagne de repassage qui nous attend, les rendez-vous médicaux. Vous savez que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mon fils donc, a une maladie rare. Et bon, il est donc suivi, il a fallu refaire le PAI, donc le programme d'assistance d'intervention médicale pour l'école, réajuster son traitement, etc. Donc ça, les rendez-vous, ça prend du temps, hein, puis on n'a pas fini. Donc voilà, j'ai pas fait grand-chose au niveau broderie, au point de croix. Mais j'ai repris des choses, des broderies que j'avais laissées de côté, notamment mon oiseau ici, mon jet bleu. Donc là, en peinture à l'aiguille, que je vais reprendre. Donc ça, vous me suivrez avec moi. Je vous montrerai un peu l'évolution au fil du temps. J'ai commencé un projet personnel, pareil, qui va partir aussi plus tard en cadeau. Mais voilà, ça c'est une coiffe d'Indien. Et vous voyez que ici, alors j'ai pris les fils de Fabienne, de un petit fil. Fabie, ton émeraude, le fil émeraude est juste splendide. Et pour pas que ça fasse trop terne, j'alterne. Donc ici, je mets que du fil émeraude. Et ici, je mets un fil de vert émeraude et un fil de... Je ne vais pas me tromper, je vais vous le dire. Pareil, hein, c'est du fil de Fabienne, un petit fil. Et je mets du brume bleu. Donc je mixe un fil émeraude comme ceci. Bon là, il n'est pas bien rangé. Mais je vais bien le ranger après, promis. Mais voilà, je mixe un fil vert émeraude et ici un fil avec du blanc qui tire sur le bleu, brume bleu. Ce qui fait que ça donne vraiment cet effet de lumière et de dimension. Donc ça, c'est mon petit projet personnel qui va partir. Donc cette petite broderie va partir en trousse de toilette. Donc j'ai choisi mon tissu. Vous voyez? Et je trouvais que les couleurs se mariaient très très bien. Donc ça va partir en petite trousse de toilette, trousse de rangement. Petit sac à projet peut-être. Voilà, ça c'est vraiment très agréable et j'avais vraiment envie de le faire depuis longtemps. Donc j'ai trouvé une photo sur Pinterest. Je suis allée décalquer les contours et je me suis faite cette petite broderie. Une autre broderie que je veux vous parler tout de suite. Et là, c'est un truc, c'est pareil, ça a été un coup de cœur de l'été. J'ai mes petites couleurs ici de DMC. Et c'est la marque Lily Popo. Que j'avais repéré déjà depuis longtemps, mais là, allez, on s'est gâté. Et là, cette fois-ci, c'est avec ma copine Stéphanie. Coucou ma Gigi. De la fanette aux petits pois. On s'est préparé aussi une petite collection de broderies Lily Popo, notamment celle-ci, la petite caravane. Je trouve que ça prolonge très très bien les vacances. Hein. Alors, voici le patron que vous pouvez retrouver sur Etsy. Et vous avez des explications photo par photo en pas à pas de toute la broderie. J'ai suivi, je suis donc le truc, mais j'ai choisi des couleurs un petit peu différentes. Je vous montre les miennes. Ah ça c'est mon nouveau pied à broderie. Parce que parfois quand je suis sur la chaise, voilà, vous le calez sous la cuisse. Hop, vous n'avez qu'à monter le tube. Hop. Et c'est drôlement pratique parce que quand vous n'avez pas de table, vous pouvez quand même broder. Donc, je vous montre. J'ai choisi des couleurs un petit peu différentes. Vous voyez, moi, la théière, je ne l'ai pas faite bleue, je l'ai faite rouge. Je trouve que ça me ressemble un peu plus. Mais voilà, c'est bien parti, c'est bien expliqué. C'est effectivement du bonheur. Happiness. C'est la joie. Donc ça, c'est ma petite broderie détente que je fais. C'est bien aussi de faire des petits projets détente comme ça. Donc Lily Popo, elle a beaucoup, beaucoup de modèles. Hein. Allez voir sa boutique Etsy, c'est absolument splendide. Elle a des jolies choses. Et moi, ce qui m'avait interpellée la première fois, c'était qu'elle utilisait du Liberty. Donc, c'est super. Je continue dans la broderie, hein, puisqu'après tout, c'est parti. J'ai commencé aussi, parce que je voulais voir ce que ça donne, cette broderie. Qui est
de la marque Couleur d'étoile et qui est de la... C'est de la vaisselle, un petit peu de la vaisselle d'Igouin. Et je trouve que c'est vraiment très joli dans une cuisine. Pardon. Vous voyez, je vous l'ai dit que je perdais ma voix. Je vais prendre un petit peu de thé, excusez-moi. Hop, je vais rechercher ma tasse. Bon, je ne le fais pas en bleu, j'ai décidé de le faire en rouge puisque ma cuisine est en rouge. Quoique maintenant je rajoute un peu de bleu, je trouve que c'est très joli, mais bon, là je vais le faire tout en rouge. Donc je vous montre un petit peu mes choix de couleurs. Je suis restée avec les couleurs de base et moi j'ai rajouté le rouge à la place du bleu. Et vous verrez que c'est en fait c'est tout un dégradé de couleurs ce patron. Que là, vous ne voyez peut-être pas, mais vous avez différents teintes de bleu, même dans la petite cafetière. Donc, j'ai commencé et j'ai choisi un coupon de lin que j'avais eu chez Jardin Privé. Si je me trompe, oui, c'est ça, Jardin Privé. Vous voyez que je n'ai pas commencé grand-chose, j'ai commencé un bol. Mais quand même, ça mérite de mentionner, c'est que la toile est super. J'aime beaucoup l'effet carreau, ça fait un peu effet torchon. Et je pense que, voilà, accroché au mur, ça va être vraiment très sympa. Donc, j'ai commencé, mais vraiment, vraiment commencé un tout petit peu ce patron. Par contre, ici, pareil, vous ne le verrez pas à l'écran. Donc, ici, dans le bol, il y a une toute petite nuance. Vous voyez, il y a du blanc et il y a du crème. C'est léger, léger, léger. Mais quand même, quand on regarde à l'œil nu, c'est ça qui fait le pareil, la dimension, qui donne la dimension. Ça donne des petites ombres. Donc, c'est vraiment... vraiment fun. Voilà ce que j'ai commencé en termes de point de croix et broderie traditionnelle. Et aussi, j'ai décidé, puisque vous savez, donc j'aime beaucoup la peinture à l'aiguille. Je vais vous montrer. Je peux les décrocher. La peinture à l'aiguille, c'est ce qui donne cet aspect réel à la broderie. Ce côté vraiment ouais, qui ressort vrai, comme une photo. Qui se fait fil par fil avec des points longs et des points courts. Bon, vous voyez que bon, j'y arrive, j'en suis pas à ma première, mais j'avais envie de me perfectionner, donc j'ai décidé, donc je me suis inscrite dans un cours. Je vous en parlerai prochainement, donc j'espère que ce sera bien. Donc je viens de m'inscrire dans un cours exprès pour sur internet pour approfondir mon point de peinture à l'aiguille. J'avais envie de me gâter pour une fois. Les enfants sont retournés à l'école, et ben moi aussi. Donc il y a ça. Et c'est ce qui complète pas mal la broderie en fait, puisque ça a été, je vous dis, assez complet. Donc voilà. Mais cela dit, je me suis dit que avec d'autres projets broderie, il fallait d'autres sacs. Et vous savez que j'adore les sacs. Donc je me suis dit, tiens, je vais me faire des petites pochettes à. Pour mettre mes ciseaux, des petites pochettes de petits projets, etc. Donc j'ai cousu quelques petites pochettes comme ceci, toutes simples, comme celles dans lesquelles je glisse ma broderie. Je trouve que c'est vraiment très très pratique puisque ça reste bien à plat. Et donc voilà, j'ai cousu des petites pochettes comme ça pour des petits projets, des mini pochettes comme celle-ci. J'ai récupéré j'avais des chutes de ce tissu, donc je l'ai utilisé. Donc, un petit sac à projet comme ça, tout simple aussi, tout mini pour mettre des... Vous savez, des fois, on a besoin juste des fils ou juste des ciseaux, des trucs comme ça. Et j'ai fait mon sac à projet pour l'automne, pour mes chaussettes d'automne. Donc, je vous montre un petit peu. Ça, c'est un tissu que j'avais eu chez Woolworths en Angleterre. Et je trouvais que c'était vraiment les bottes de pluie et les couleurs d'automne, ça tombait vraiment très bien. Je trouve que ça fait aussi une belle transition avec l'été-automne. Et j'ai décidé de mettre du lin en dessous et je me suis brodé un petit parapluie arc-en-ciel en reprenant les couleurs des bottes. Et c'est du fil, je crois que c'est ce qu'on appelle le fil à... C'est le fil à soso, en fait. J'avais acheté, il y a très longtemps, du fil à soso. Et j'ai décidé de les mixer pour que ça fasse un petit peu ce petit côté arc-en-ciel tout doux, là. Un petit peu pastel. Donc, je me suis brodé ça. Et là, hop, un beau sac à projet pour mettre mes tricots chaussettes de l'automne.
Et je me suis dit, donc là, ça fait partie aussi de mon projet pour cette année, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir faire aussi des pochettes comme celle-ci. Il y a énormément de tutos que vous pouvez trouver sur Internet, hein, c'est sûr. Mais je me dis, tiens, ce serait sympa qu'on fasse ensemble le bas du sac à projet. Donc, on ferait un sac à projet comme celui-ci, ensemble, en tuto. Qu'on y mette chacun notre petite broderie. Et puis que je vous montre comment coudre cette petite pochette, tout simplement. Donc ça, ça fera partie des projets de l'année. Je ne pourrais pas tout faire en une seule vidéo, hein. Donc ne m'envoyez pas de message pour me dire « Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça !» Je vais les faire, mais laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Je peux pas tout faire ou faut que je dorme la nuit quand même. Donc voilà, je vais faire ça. Donc, on va faire poupée en tissu, sac en projet, donc avec petite broderie, petite trousse comme ça. Petite trousse plate, ça pourrait être sympa aussi à faire ensemble. Voilà. Et puis vous verrez, quand vous savez faire des sacs à projet, vous savez faire différentes tailles. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pareil. On va faire ça ensemble dans des petits tutos cette année. Ce serait très très sympathique puisque j'ai besoin de sacs. J'ai un besoin impérieux de sacs. J'aime trop ça, les petits sacs à projet. Je trouve ça toujours très beau. Donc je me dis, bah autant les faire avec vous, ça peut être très sympa. Et puis en projet, eh bien, vous verrez qu'il y a aussi mon beau projet que je vais vous parler à la fin. Bon, je continue quand même avec mon panier. En projet terminé de mon panier, j'ai fini. Et là, merci à celles qui ont joué le jeu aussi. Et si ça vous intéresse de refaire ce jeu avec moi, ben, sachez que je vais le relancer puisque j'ai la laine. D'ailleurs, je vais vous la chercher tout de suite, je vais vous la montrer. Regardez. Tac, tac, tac. J'ai la laine ici. Oui, j'ai celle-ci. Donc, la laine de West Wool, qui est de la couleur... Bicycle Glow. Ça doit être ça. Je vous montre un petit peu le label. Ça doit être ça, la couleur. Et je vais lui mettre... Hop, cette laine Knitting for Olive, ça c'est la couleur Queens, je pense. Ça doit être ça. Oui, ça doit être ça, Queens. Un petit jaune. Donc je vais mixer celle-là. Ça, un petit peu plus moutarde que orange. Hein. C'est pas tout à fait ça. Et je vais faire le bonnet. Oups. Simple Pleasures Hat. Alors. Hop, je lâche ça, qui est le patron gratuit sur Pinceau. Vous savez, j'en ai parlé dans mes vlogs de l'été. J'ai terminé le premier et j'ai envie d'en faire un deuxième. Donc, si vous voulez m'accompagner pour mon panier de bonnets, je trouve que c'est chouette. Donc, je vous montre le Simple Pleasure Hat. Pleasures ou Pleasures? Il y en a qu'un ou il y en a plusieurs, plaisir? Pleasures, il y en a plusieurs. Aïe, 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 la reprise. Hein. Donc, vous voyez, alors, ça commence. Il est hyper facile à faire. Je vous ai fait un lexique en plus. Hein, sur le blog, je vous ai fait un petit glossaire. On commence par les côtes. C'est un patron gratuit. Tout en rond. On fait les côtes. Et c'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Mais après, quand on passe à la partie fingering et mohair, alors là, c'est juste du plaisir. C'est super beau. Le rendu est magnifique. Parce que vous voyez, ici, on tricote avec deux fils de fingering. Donc, c'est quand même pas mal. Puisque ça fait en aiguille, je crois, en aiguille 4. Donc, ça monte vite. Hein. Et ensuite, après, on garde un seul fil fingering et on lui ajoute le fil mohair. Et ça donne juste un beau... Alors, après, la diminution, c'est facile. Et ça lui donne un beau rendu. Je vous passe le bonnet. Je replie puisque en fait, il se met comme ça. Hop. Et voilà. Il est superbe ce bonnet. Je l'aime beaucoup. Donc je le veux dans une autre couleur. Je pense que je vais le faire pour ma fille aussi. Je vais lui faire choisir sa couleur. Je pense que ça va être du violet pour elle, à mon avis. Mais voilà, il est très, très beau. C'est un beau bonnet. Il est vraiment magnifique. Donc, je vais le refaire
Alors, si ça vous tente durant l'automne de me suivre, de faire le bonnet avec moi, ça pourrait être très sympa. Et puis de voir un petit peu l'avancée aussi où on en est, hein? D'autant plus que ça prend pas tellement de laine. Il vous en reste suffisamment. Vous pouvez faire même une petite paire de chaussettes avec ça ou mixer avec une petite paire de chaussettes. Donc c'est vraiment très sympa. Moi j'ai fait la taille adulte S et vous voyez, il est vraiment très beau ce petit bonnet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans mon panier? Ah, ça se vide, hein. Je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose. J'ai fait, au mois de juillet, j'ai fini 3 paires de chaussettes. J'aime beaucoup quand c'est empilé. J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de trucs. Des étages. Alors, première paire, celle-ci que je vous avais montrée. Donc, je ne reviendrai pas en détail dessus, mais je vous les montre comme ça pour vous montrer tout ce que j'ai fait cet été. Cette paire-là, qui était très sympa à faire, avec une zabber ball. J'ai cette paire-là que j'ai terminée. Qui est vraiment très bien aussi. Et hop. Et enfin, j'ai cette paire-là que j'ai terminée. Celle-ci, qui est pour Victor. Donc, les pieds sont un petit peu plus grands. Qui tombe juste parfaitement. Qui est de la King Cole, je crois. Ça, c'est mes petites paires de chaussettes que j'ai fait. Et parlant de chaussettes, qu'on est dedans. Je vais vous parler d'un projet que je suis en train de faire en ce moment. Et vous pourrez retrouver le patron sur Ravelry très bientôt. Je suis en train de finir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Allez là. J'en ai fait une. Et il me reste la deuxième à finir. Mais je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas terminée, pourquoi je vous les montre pas terminées. C'est un patron que je suis en train de finir de faire. Donc vous voyez ici ce. Patron, vous avez ici une bande, vous ne la voyez pas très très bien. Mais rassurez-vous, vous la verrez mieux dans le reste de la vidéo. C'est une chaussette que je suis en train de décrire en patron. Et je voulais absolument, en même temps que je vous la faisais, vous voyez, vous avez le, si je vous la mets droite, vous avez la partie dentelle ici, avec des petites nopes, chaque côté. Bon, je l'ai essayé, ça ne gêne pas dans les chaussures, hein, donc il n'y a pas de souci, ça ne gêne pas. Et vous voyez que ici sur le côté, vous avez une toute petite bande ici qui fait un petit relief. Je voulais absolument vous montrer comment faire les nopes et aussi la petite bande ici torsadée. Voilà, vous la voyez légèrement ici, la petite bande torsadée. C'est vraiment léger, c'est pour vraiment ajouter quelque chose à la chaussette. Ça, c'est des chaussettes que je suis en train de faire avec une laine de Mr. and Mrs. Rabbit Yarns. Et je crois pas, enfin, je sais pas si c'est encore ouvert à cause du Brexit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'envoyaient plus en France. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse encore en ravoir, mais je peux vous dire que j'étais contente d'avoir pu cette année les essayer. Et ça, c'était le club secret, le cottage. Et c'était la collection Lila. Donc il y avait le petit écheveau et le gros écheveau. Donc ça, c'est des chaussettes que je suis en train de faire. Et vous voyez que il me reste un petit peu de la tige à faire, mais je vous ai montré. Donc vous allez voir aussi à la fin de cette vidéo, de ce podcast, comment faire les nopes, les petites boules ici en tricot, et aussi les deux mailles twistées ensemble. Donc ça, c'est un patron que vous allez retrouver sur Ravelry. Et je vous mettrai le détail aussi sur un article de blog. Donc, ce sont des chaussettes Shakespeare. Et vous verrez que vous les retrouverez bientôt en patron. Donc, dès que ce podcast va être en ligne, le patron sera disponible aussi. Donc voilà, ça c'est pour vous mentionner que je vous montre à la fin de la vidéo comment faire ces petits points. C'est des chaussettes toutes simples hein, qui commencent, bah, je peux peut-être vous en parler un peu plus, mais ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe. Je vais vous le remettre sur le bloqueur, c'est plus facile peut-être. Donc on commence par la pointe, hop, ensuite on monte en changeant la couleur pour le pied. On garde la même couleur pour le talon, c'est un talon en German Short Rose.
c'est très facile à faire. Et enfin, on change pour faire la bande, la petite bande ici de cheville. Voilà. La laine, elle rend vraiment bien. Et alors, le type dentelle sur le dessus du pied, c'est super mignon. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie des chaussettes de la collection Shakespeare. Voilà. Donc ça, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous en reparle plus. Et voilà pour ce qui est des chaussettes. Complet. J'arrive à la fin de ces chaussettes-là, après je commence plein de nouveaux projets chaussettes. Et enfin, terminons avec un joli petit projet du panier. Une couverture en crochet. Celle que j'avais finie en début d'été. Et voilà, le petit carré granny. L'éternel petit carré granny. Et là, j'ai fait des petits pompons. Mais franchement, je l'adore. Et du coup, j'avais commencé, vous savez, une couverture granny aussi en coton. Et je ne l'ai pas terminée également volontairement. Bon, volontairement. J'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, et le soir, j'ai été trop fatiguée pour la faire. Donc, hop, je vous la sors. Elle est dans un sac à tricot. Et c'était avec, vous savez, un pack complet que j'avais commencé. Si vous m'avez suivi, allez voir mes vlogs de l'été, vous pourrez suivre l'avancée de cette couverture. Donc c'était des balles de chez Hobby, c'était un pack qui était déjà prêt, tout complet. Et j'ai utilisé toutes les laines qu'il y avait, enfin toutes les balles qu'il y avait dedans. Donc voilà ce que ça donne. Je ne veux pas échapper mon fil. Voilà ce que ça donne en termes de carré avec ce pack. Et que plus on monte, moins il y a de largeur de tour, c'est normal, hein, puisque ça prend plus de laine en longueur. Là, je suis rendue, donc c'est en coton, hein, pardon, à chaque fois je dis laine, mais c'est du coton. Je suis rendue dans le couleur crème, c'est ma dernière couleur, et après je vais faire ma bordure en dentelle. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter là, puisque je vais vous montrer également, dans un prochain vlog, comment faire la bordure en dentelle. Alors, je ne peux pas tout faire en un coup dans cette vidéo, mais sinon ça va durer 3 heures. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal pour couvrir les jambes, c'est juste assez quand on fait une petite sieste ou pour laisser sur une petite chaise, c'est très très joli. Voilà, mon petit carré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le sens des couleurs. Ça dit, si j'avais changé, si j'avais commencé par le fond clair, ça peut être très joli aussi. Et alors en châle, ce serait vraiment mignon. En châle comme ça. Oh, ouais, très joli. Ces couleurs, elles sont belles. Le coton, oh, moi ce que j'aime, regardez le coton. Il rend, mais vraiment bien, il est régulier. C'est très agréable, très très agréable. Je le fais avec un crochet 3. Un crochet numéro 3 mm. J'ai la tremblote. Ça va bien. C'est ce qui fait aussi qu'il est bien serré. Mais vraiment, ce coton, il est d'une qualité incroyable. Voilà, j'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise aussi pour les poupées maintenant. Je trouve que voilà, c'est celui qui va le mieux et qui ne se dédouble pas. Donc, projet couverture à terminer ensemble. Notamment, hein, coucou Fabi, puisque je sais que ça t'intéresse d'avoir la bordure en dentelle. Et que tu n'es pas la seule. Donc, du coup, on va faire ça ensemble aussi. Voilà. Si on continue avec les couvertures en crochet... J'ai présenté dans un de mes vlogs dernièrement cet été aussi une boutique qui s'appelle Toudou Laine, ou sur laquelle on peut avoir des laines Stylecraft, notamment pour faire les couvertures de Lucie Attic 24. Et j'avais fait donc ma commande pour essayer un petit peu, puis j'avais des projets en tête. J'ai un projet de couverture que je vais faire aussi avec vous, un beau projet, mais je ne vous le présente pas tout de suite, je vous le garde pour cet hiver, puisque là, avant toute chose, je suis en train de préparer un sac en crochet pour mettre mes balles de laine pour cette fameuse couverture. Et je me suis inspirée d'une tasse, donc de la marque 4 Kidstone, pour les couleurs. Donc, je vous montre où j'en suis. Hop. Donc ça, c'est le fond de mon sac. Et ça, hop, le côté de mon sac. Vous voyez, j'en suis vraiment... au fond, bon, ça va être un grand sac, hein. Un grand sac un peu panier. Et voilà, donc
ça, c'est mon sac que je suis en train de faire. C'est pareil. Dans un prochain vlog, je vais faire un petit vlog crochet. On fera la bordure de la couverture et je vous montrerai comment commencer un sac en crochet. En rond, comme ça, un sac panier, tout simplement. Ça peut être très sympa à faire. Et puis, comme ça, vous pourrez faire vous-même votre petit sac. Et ce qui peut être intéressant après, c'est de mettre vos laines dedans pour vos autres projets. Donc, je vous montrerai comment je fais, pas exactement celui-ci, mais comment je démarre. Alors après, pour les points, après, vous faites un mix de points. Je vous expliquerai ça. Donc là, je fais un mix de points. Vous voyez, je prends des points que j'ai appris dans des patrons de poupées, dans des tutos couverture, des choses comme ça. Voilà, je mixe des points, tout simplement. Je m'amuse, en fait. Et voilà. Hop, mon petit sac panier. Ça, c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'ai commencé aussi. Je n'ai pas résisté, il fallait que je commence. Je voulais voir ce que ça donnait, le mix de couleurs. Et pour finir avec le crochet, je vous montre mon dernier projet en crochet que j'ai avancé. C'est le gilet Good Vintage Cardigan. Il y a ce patron. Celui-ci, hein, ça fait plusieurs fois que je vous le montre. Et je l'ai avancé, en fait, j'en suis rendue à faire les manches. Donc, je vous montre. Alors, on fait d'abord le corps, devant et arrière en même temps. Ensuite, on laisse en attente, on monte les manches, on raccorde le tout et on fait la couture. Donc, j'ai fini le corps du gilet. Alors, il y a tous les fils à rentrer, c'est vrai, hein, mais ça, elle le dit dans le patron. Hein, donc, je veux dire, c'est comme ça. Hein. Alors, je vais vous le passer comme je peux, puisque il n'est pas cousu. Je vais mettre, hop, je devrais mettre des pinces. Ah bah oui, tiens, regarde, je vais faire ça. Je vais mettre des pinces. Alors, attendez-moi 2 minutes. Je vais mettre des petites pinces au bout. Hop. Comme ça, on verra ce que ça donne. Et voilà. J'arrive. Je mets des petites pinces. On lit fil, c'est pas jojo. Mais bon, c'est comme ça, c'est le patron, on n'a pas le choix. Voilà ce que ça donne. Hop. J'ai mis des petites pinces à couture. Pour que ça tienne, histoire de dire qu'on voit ce que ça fait. Bon, je suis montée sur ma chaise. Oh, je vous jure, je prends des risques pour vous. Voilà. Donc là, et bien sûr, il n'est pas bien bloqué. Il n'est pas terminé. Mais voilà, il est quand même très beau. Il n'est pas super long, hein, finalement. Moi, je le fais en taille 38. Mais il est vraiment chouette. Voilà. Il va être beau quand il va être terminé, je pense. Donc là, je vais faire les manches. Et je pense que c'est pas un truc sur lequel vous mettez beaucoup de couches en dessous. Hein. Donc je pense que vous mettez un t-shirt et puis ça fait l'affaire. Hein. Ouais, faut pas avoir. C'est pas un gros gilet d'hiver. Mais très très beau. J'aime beaucoup le mix. Oh, il est vraiment sympa. Donc là, j'ai commencé les manches. Et les manches, c'est compliqué, parce que autant que le corps, c'est de l'aller-retour, ça va très bien. Les manches, ça se fait en rond, mais vous faites en rond, vous retournez, vous refaites le rond dans l'autre sens, vous retournez, vous refaites le rond. C'est un petit peu long à faire, c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. Mais ça s'en vient bien, hein, ça s'en vient bien. Il est vraiment fun à faire. C'est vraiment chouette. Et voilà pour tous les projets. Non, mais ça en fait beaucoup. Ouais, ça en fait beaucoup de projets à faire. Je regarde autour de moi parce que j'ai tout éparpillé, donc je veux pas louper un truc. Et maintenant, une mobilette passe. C'est bon. Et maintenant, je vais vous parler d'un truc qui me tient particulièrement à cœur puisque j'y ai pensé cet été. Ça fait plusieurs fois que j'en parle avec des amis et que j'ai magasiné cet été et je me suis dit, oh, ce carnet, il pourrait tellement, tellement servir à ça. Avec la laine partout, j'ai des peluches à chaque fois. Hein, c'est le coup classique. Donc, tellement, tellement envie de vous partager ça. Vous savez à quel point j'aime tricoter, coudre, faire un monde tout autour des poupées.
pas parce qu'on est resté gamine dans notre tête, c'est pas ça du tout. Quoi que ça peut faire du bien. Moi, je me dis, notre petite part d'adolescence ou de gaminerie, ça peut faire du bien. Mais c'est surtout parce que je trouve que c'est un monde qui est très doux. C'est un monde qui est beau. Vous pouvez faire sur des poupées ce que vous ne pouvez pas forcément mettre sur vous. Il y a énormément de possibilités, énormément de créatrices que j'adore. Vous savez, ma copine Stéphanie, la fanette au petit pois, fait de super poupées. Et restez branchée, puisqu'elle a tellement de belles choses à venir. Comme on dit en anglais, stay tuned. Il y a tellement de belles créatrices anglaises, françaises, enfin de partout, qui font de jolis modèles que je trouve que ça vaut la peine d'essayer. Et je me dis, c'est bien, mais il faut que vous ayez le goût aussi. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours eu envie de faire ça, et on me l'a proposé plusieurs fois, d'écrire un livre. Mais j'ai envie que tout le monde le vive, ce livre, tout le monde le partage. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'écrire avec vous, ce livre. Voilà, tout simplement. Je trouve que la vie passe si vite, il y a tellement de choses belles dans la vie. On peut dire qu'il y a des choses moches aussi, c'est vrai, il y a des choses vraiment moches. Mais il y a des choses très belles. Alors on va les partager. Et moi j'ai eu envie, donc ça c'est le projet que j'avais trop envie de vous dévoiler aujourd'hui, de vous parler de ce livre. Alors, on fait notre entrée, préparez vos cahiers, puisque vous allez pouvoir faire vous aussi votre propre livre. J'ai trouvé ce carnet, c'est un carnet à croquis, tout simplement. Donc, je l'ai trouvé chez Action, je l'ai acheté chez Action. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver dans des librairies, vous pouvez en trouver peut-être chez Walmart, pour les Américaines, les Canadiennes, etc. Hein, puisque j'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à tout le monde partout, puisque je sais que vous me suivez de très loin. Je crois qu'il y a la Norvège, alors la Belgique, le Canada, les États-Unis. Je ne mentionne pas tous les pays, mais voilà, je sais qu'il y en a de très très loin et il y en a de tout près aussi. Mais voilà, je vous embrasse tout le monde, je vous embrasse, je mets tout le monde au même niveau, tout le monde au même plan, et je vais faire des coucous. Donc c'est pour ça que des fois je mentionne des boutiques d'Amérique du Nord, parce que je sais que Action, il n'y a pas en Amérique du Nord, donc peut-être chez Walmart ou voilà, des grandes boutiques chez La Tomère de Serre ou chez Michaels ou Hobby Lobby ou, voilà, vous pouvez peut-être trouver des carnets comme ça à croquis, c'est un grand carnet. Et j'ai eu envie, dans ce carnet, de raconter une histoire de poupée à fabriquer avec vous. Non seulement fabriquer la poupée, mais fabriquer l'histoire aussi. Et je me suis dit, moi j'ai acheté un livre, je vous en parlerai après, j'ai acheté un livre et je me dis, mais en fait c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je suis, ce petit monde avec les petites souris, les petits animaux, etc. Et je me suis dit, mais moi c'est quel animal que j'aime? J'aime les lapins. En poupée, hein, je parle, hein, j'aime les petites brebis, j'aime les petits lapins, j'aime les petites souris, j'aime beaucoup. Et c'est sûr que je vais en faire, j'aime le petit âne aussi, c'est sûr que je vais les faire. Mais voilà, je suis partie pour écrire l'histoire de Wilma, ma petite brebis. Et j'ai eu envie dans ce livre de mixer toutes les techniques qu'on peut utiliser. Et c'est sans fin, si vous faites de la peinture, si vous faites du dessin, si vous faites de la couture, de la broderie, n'importe quoi, du tricot, vous pouvez mixer tout dans ce projet. Et vraiment, vraiment, j'ai envie de continuer ce projet. C'est pas une course, c'est juste, on va en faire de temps en temps parce que tiens, c'est notre petit moment d'évasion, c'est notre petit moment de beauté. Vous savez, un peu à l'ancienne, vous savez, c'est comme quand on ferme nos yeux, là, qu'on a de l'eau dans les yeux et que c'est comme dans un rêve et qu'on est bien l'espace d'un instant et que... C'est très poétique et je pense qu'il faut le vivre. Donc j'aimerais que vous le viviez avec moi. Donc allez vous chercher un carnet et allez-y. Je vous montre mes premières pages et ensuite on fera des pages. Je vous montrerai moi les pages, je vous les ferai en vidéo aussi. Alors, première page de présentation, j'ai fait une petite fleur en jardin de grand-mère, ce qu'on appelle le English Paper Piecing avec du Liberty, avec un centre en lin et j'ai mis dessus
voyez, si, je ne sais pas si vous voyez très très bien, ça brille. Hein. C'est une épingle parisienne. Voilà. Pour maintenir, en fait, je l'ai collé, mon tissu. Et pour le maintenir bien comme il faut, j'ai mis une épingle parisienne. Donc, c'est l'histoire de Wilma. Et j'ai décidé de partir sur cette poupée, puisque certains d'entre vous avaient déjà fait Rosie. Donc, Wilma, c'est une petite brebis que je vais vous présenter. Petite poupée en lin. Et hop, je vous la présente. La voici. C'est ma petite brebis Wilma, que je trouve trop mimi dans ce petit lin blanc. Avec ses petites oreilles en coton. Oh, puis ses petits... Oh, c'est trop mignon avec des petites marguerites. Oui, c'est des petites marguerites. Voilà, donc ça, c'est Wilma. C'est la poupée de base qui va servir à notre histoire. Donc, ne vous ruez pas sur les trucs. La petite poupée Wilma, je vais vous le faire en patron gratuit sur le blog pour que vous puissiez essayer et coudre votre poupée et coudre votre... Enfin, coudre votre histoire, écrire votre histoire. Oui, la coudre aussi, votre histoire, puisque tout part de la couture de cette poupée. Vous voyez qu'elle est toute simple. Et je vous ferai en vidéo et en pas à pas, donc, le patron de cette poupée. Donc, soyez patient, puisque ça prend du temps à écrire. Vous voyez, j'ai fait le prototype et j'ai déjà coupé tous les autres, puisque je vais en faire plusieurs. Et donc, il y aura cette petite poupée Wilma et cette histoire. Donc, on est parti. Et Wilma, si vous regardez bien, vous voyez ici, il y a Rosie. Je suis un peu trop loin pour l'attraper. C'est Rosie, ma petite brebis en feutrine, qui est en fait la même... Ben je vais la prendre. Attends, je vais la chercher. L'avantage d'avoir tout dans l'atelier maintenant, hein, si c'est chouette d'avoir l'atelier, d'avoir tout sur place. Donc vous voyez, il y a Rosie que j'avais faite, donc le patron qui était en feutrine. Elle avait des petites pattes comme ça, avec des petits bouts en liberty. Ses petites oreilles, mais si vous regardez bien sa petite tête, vous voyez que c'est pas mal la même chose que Rosie. Hein. Hop. Wilma et Rosie. Coucou. J'ai repris, en fait, j'ai repris la base. Mais celle-ci est en lin et celle-ci est en feutrine. Cousue à la main. Cousue à la machine. Donc, vous voyez que si ça vous tente, vous allez pouvoir utiliser, vous voyez, elles ont la même dimension. Vous allez pouvoir utiliser les patrons pour les vêtements qu'on va faire ensemble. Vous allez pouvoir tout faire, soit avec la poupée à la main, en feutrine, soit avec la poupée en lin. Et je suis en train de préparer la poupée Wilma en laine. Donc vous pourrez la tricoter aussi. Ça, ça viendra par la suite. Et cette petite poupée, on va lui faire une petite histoire, puisque, en fait, Wilma, il faut que je vous raconte son histoire. Donc voici la première page. Et vous voyez, quand je vous dis qu'on s'amuse, moi j'ai fait à l'aquarelle mon premier croquis, mon premier dessin de Wilma. Et dessus, regardez, j'ai fait plein de petits trucs, genre scrapbooking. J'ai mis du washi tape, ici j'ai découpé, j'ai reçu un petit cadeau. Et la personne qui me l'a envoyé va peut-être se reconnaître. J'ai mis du papier cadeau, j'ai découpé des petits nuages, j'ai découpé les petites fleurs du papier cadeau, je récupère. Je m'amuse, je fais plein de petites choses, je mets des petits labels, etc. Première page de Wilma. Et je vais donc vous raconter l'histoire de cette petite brebis. Alors, il était une fois une petite brebis blanche comme la neige, aux grands yeux noirs et au petit nez rose. Petit concentré de bonheur, Wilma, notre petite copine aux oreilles fleuries, est une amoureuse des fleurs. Oui, oui, une gourmande de fruits. Surtout de gâteau, et une curieuse de la vie, absolument. Un beau matin, elle s'est sentie prête à quitter son nid, et c'est ainsi que notre brebis s'est embarquée avec ses grandes amies, Marguerite et Violette, pour de belles et grandes aventures à travers le monde. Allons, mes chères copines, une doudou pour dormir, sans oublier mon panier pour récolter les fruits, et c'est parti pour le voyage de notre vie. Voilà. Donc là, les histoires, c'est moi qui les écris. Je vous les mets disponibles. Je voulais, je suis pas une grande auteure. Hein. J'écris avec mon cœur, c'est tout. Mais je vous ai mis ces petites histoires. Donc vous allez pouvoir la voir sur le blog aussi pour débuter votre histoire si vous le souhaitez. Vous préparez, votre carnet. Si ça vous tente de le faire avec moi, allez-y, ça peut être très sympa. Vous allez voir que c'est très rigolo. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, faites-le avec eux si ça vous tente. Vous leur faites
faire des petits dessins, ou leur faire des petites fleurs, des petites choses, ou récolter des fleurs séchées, tout plein de petites choses qu'on peut faire, qu'on va mettre dans ce livre. Et à la fin, un jour, on aura tout un livre. Et ce sera votre livre. Ce sera mon livre à moi. Ce sera votre livre. Et ce sera accessible à tout le monde et disponible pour tout le monde. C'est ça mon petit rêve et c'est ça mon petit bonheur. En fait. Moi, ça me rend joyeuse de vous le partager. Donc, premièrement, je vous préparerai le patron que vous pourrez faire de Wilma. Et ensuite, on fera les petits habits. On fera les petits accessoires, etc. Je vous en dis pas plus, il y aura peut-être des petites surprises. Et c'est parti pour créer cette petite aventure dont vous allez pouvoir avoir les images de Wilma et la suite. Et il y a d'autres aventures. Alors, je ne vous lis pas l'histoire tout de suite, je vous la garde pour plus tard. Mais voilà les petites aventures de Wilma. Vous voyez, je m'amuse, je récupère des petites trucs, je récupère des petits napperons, je récupère. Voilà. Vous voyez les prochaines aventures, ça vous donne un petit peu des idées. Vous voulez vous préparer? Il y aura voyage au pays des fraises et un petit voyage en Russie. Voilà. Donc ça, c'est mon carnet, c'est parti. Je me suis mis plein de petits trucs de côté. Dès que je vois des petits washi tape, dès que je vois des fleurs séchées, dès que je vois des petits bouts de tissu, je me les garde. Je me suis faite une boîte et je me garde tout ça pour uniquement faire les petites choses pour moi. Je me suis aussi mise une boîte de côté. En fait, c'était une boîte que j'avais gardée pour faire des chaussettes. Vous savez, j'avais fait une boîte de douche chaussettes pour l'année. Je l'ai vidée et j'ai gardé cette boîte. Hop, ça permet de recycler pour pouvoir y mettre ma petite poupée et tous les petits trucs que je veux garder pour elle, je pourrais les mettre dedans. Donc voilà, ça c'est le gros projet que j'ai vraiment, vraiment envie de faire. J'ai envie encore plus vous partager les choses parce que je trouve, voilà, il n'y a pas de monopole, il n'y a pas de truc secret. On se les fait et on se fait plaisir. Donc le carnet de l'histoire de Wilma. Et enfin, terminons avec les achats récents, surtout découvertes, livres, etc. Que j'ai fait ces derniers temps. Il y a des choses qui sont très intéressantes à vous montrer. Donc, je vais vous les mettre de côté, je vais vous les montrer. Et alors, je sens, mais vous, heureusement que vous ne sentez pas parce que c'est une horreur. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais cette pochette, ça doit être le plastique qui s'en met. C'est horrible, quoi. Bon, bref, ça sent l'andouille. J'adore l'andouille. Hein. Ça, je peux vous dire que l'andouillette et l'andouille, alors si vous ne savez pas ce que c'est, pour les personnes qui sont notamment dans les autres pays, à l'étranger, l'andouillette et l'andouille, alors c'est fait avec, je ne vais pas me tromper, avec des tripes, je crois, des trucs comme ça. Bref, vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais c'est bon! Allez voir ce que c'est sur internet, vous aurez la description parce que je suis pourrie pour les trucs. Je les mange mieux que je les décris en fait. J'adore l'andouille, j'adore l'andouillette. Qu'est-ce que vous voulez, j'aime ça moi, les abats, les trucs comme ça, c'est mon truc, j'adore ça. Et donc, on dirait que cette pochette à aiguille a été enroulée dans un papier d'andouille. Je vous jure, elle pue, c'est une horreur. Oh mais, bon, ça donne envie de manger de l'andouille, mais quand c'est sur la pochette, c'est pas trop cool. Hein. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est le plastique qui sent. Il sent l'usine, quoi, en fait. Et ça sent un peu l'andouille. Bon. Alors, je me suis acheté une pochette. Allez, sans rire, là, ce coup-ci. Je me suis acheté une pochette à aiguille interchangeable pour renouveler un peu mon stock, vu que j'avais d'autres projets, que j'arrivais pas à trouver mes aiguilles. Enfin, il manquait des numéros. Donc, voilà, je suis partie là-dessus. Donc, je me suis pris cette pochette qui est de la marque Knit Pro. C'est la Pro, Knit Pro Zinc, c'est une simple. Hein. C'est vrai que je rêve de me payer une Xiaobu, mais bon, faut être raisonnable aussi. Là, c'est un petit investissement, mais plutôt un gros investissement. Et j'ai d'autres choses à prendre. Donc voilà, je vous montre un petit peu, juste parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce style d'aiguille. J'ai toutes les aiguilles double pointe de leur marque. Enfin, peut-être pas les grosses, mais je les ai en zinc aussi. Et je les aime beaucoup en double pointe. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas
les prendre aussi maintenant en aiguilles interchangeables, puisque Knit Pro, c'est quand même, moi je trouve, une très bonne marque, c'est tout à fait raisonnable. J'ai eu la pochette sur Amazon, vous pouvez la trouver à plusieurs endroits, mais c'est là que je la trouvais vraiment intéressante. Donc très bien, très pratique avec la pochette, ça permet de pouvoir les ranger, sauf que faut que j'y fasse prendre l'air, hein. Donc voilà, ça c'est mon achat de ces derniers jours, ces derniers temps. J'ai fait aussi mon super gros achat agenda de l'année. Alors, on recommence une nouvelle année dans 3 mois, on est en 2022, c'est fou, ça a passé vite cette année, j'en reviens pas. Et donc, je me suis repris, comme tous les ans, mon agenda Erin Condren, qui est une marque américaine, certes qui est un aussi très gros investissement, mais je peux vous assurer que je ne peux plus vivre sans ce genre d'agenda. D'ailleurs, j'ai essayé d'autres marques, mais j'y arrive pas, je sais pas, ça me convient pas, on dirait qu'il manque quelque chose, et si je l'ai pas, je me sens nue. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu celui que j'ai choisi pour cette année, puisque vous pouvez choisir parmi plusieurs couvertures d'agenda, plusieurs sortes, selon que vous voulez les jours en colonne, les jours en ligne, etc. Donc, je vous montre un petit peu mon agenda. Donc, vous avez la règle tout le temps et vous avez donc la couverture ici avec mon nom que j'ai fait inscrire ici. Et j'ai choisi des pêches puisque je suis dans les tons très pastels en ce moment, très pêche, très très doux. J'ai envie de ça et donc, oh, j'aime beaucoup. Voilà. Les présentations à l'intérieur sont magnifiques. J'ai choisi avec les fleurs pour les séparations, pour les jours. Je vais vous montrer des jours. Hop, regardez. Vous voyez, c'est des fleurs dans le haut. C'est très, très beau. Vous avez tellement d'options. Alors ça c'est le pour le mois, les cases pour le mois. Et vous avez les cases pour les jours. Il est absolument complet. Là, vous êtes sûr de rien oublier. Enfin, franchement, moi, cet agenda, je ne peux plus vivre sans. C'est pas compliqué. Je l'aime trop. Il est absolument magnifique, celui-ci. Je ne regrette pas de l'avoir. Alors, parfois, parfois, il y a des soldes, des offres de soldes de l'année d'avant, ou enfin de carnet, mais que vous pouvez mettre pour l'année. En fait, les soldes, c'est les soldes du format. Ensuite, vous choisissez si vous voulez l'année complète, si vous voulez un an et demi, c'est super. Vous pouvez vraiment gérer vos agendas, il y a plein d'options, franchement, il faut aller voir. C'est aux États-Unis, c'est donc le site est en anglais. Et petite nouveauté cette année que j'ai trouvé absolument formidable, c'est que maintenant, ils vous comptent les frais de douane directement dans le prix. Donc, vous avez le prix et quand vous passez à la caisse, ils vous marquent les frais de douane. Donc, c'est vrai, vous avez les frais de port, les frais de douane et le prix de votre agenda. C'est super puisque vous n'avez plus la mauvaise surprise de recevoir votre truc à la maison, que vous savez que vous allez avoir des frais de douane bien sûr dessus. Mais en plus, vous n'avez plus les frais d'administration, de gestion, etc. faits par les transporteurs. Je nommerai pas de nom, mais vous avez des transporteurs qui vous livrent chez vous et qui vous facturaient les frais de douane et qui, pour avoir calculé les frais de douane, vous facturaient des frais. Donc, vous aviez le double de frais, finalement. Là, c'est compté dedans. C'est très, très bien. Et voilà, ça, c'est mon agenda. On va partir, on aura la pêche, les filles. On aura la pêche. Je l'aime beaucoup. Franchement, je ne peux pas vivre ça. Donc, ça, c'est mon beau cadeau. C'est mon gros investissement de l'année. Mon beau cadeau que je me fais chaque année parce que je ne peux pas... Donc, il commence en janvier, alors j'ai très hâte. Et j'ai fait deux achats de livres particuliers, entre autres, d'aquarelles. Alors, j'ai surtout regardé celui-ci, mais celui-ci va m'intéresser beaucoup pour l'automne. Je me suis acheté ces livres notamment pour me perfectionner à l'aquarelle. Et je me suis inscrite également à un cours d'aquarelle en ligne avec une professionnelle pour faire de l'aquarelle botanique. Donc, je vais suivre ce cours-là et je vous en reparlerai aussi, je vous dirai tout sur mes cours de broderie et d'aquarelle. Et je me suis acheté ce livre puisque je trouvais qu'il était quand même assez bien complet pour faire des fleurs. Elle vous donne une technique au début, elle vous explique pas à pas comment faire les fleurs, elle vous dit quoi prendre comme aquarelle, comment vous installer, etc. Je trouve que voilà, depuis le début du livre,
Il est vraiment très très bien. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Et c'est de l'auteur Harriet de Winton. C'est ça, Harriet de Winton. Fleur à l'aquarelle que j'ai eue à la FNAC. Il y a 30 modèles. Et en plus, c'est des modèles, vous voyez, c'est le modèle qu'il y a sur la couverture. En toute simplicité. Vraiment. Oh, j'ai tellement hâte et je me suis dit que ça allait tellement me servir pour le livre de Wilma que j'ai pas résisté. Et puis, je me suis dit, comme on rentre dans l'automne, ça m'intéressait vraiment beaucoup de faire des choses de la forêt. Et donc, je me suis pris ce livre qui est un petit peu différent en termes de technique, mais qui est pas mal, qui s'appelle « Peindre les merveilles de la forêt à l'aquarelle ». Et c'est de l'auteur Elisabeth, pardon, pas Elisabeth, Elisa Puff. Voilà. C'est aussi superbe, je vais vous montrer. On peut faire, je vais vous montrer quand même un beau truc. Oh, sans le faire exprès. Le coquelicot. Et oui, sans le faire exprès, le coquelicot. Vous voyez, hein, j'ai une connexion moi avec le coquelicot. Les champignons, tiens aussi. Hop, les champignons. Des bons champignons. Ça, c'est bon, les petits champignons. Un petit coq au vin avec des petits champignons. C'est trop bon. Oh, je ne l'ai même pas feuilleté au complet. Oh, je m'en veux. Oh, regardez. Il y a des petites fleurs sauvages. Il y a les digitales. Je n'ai pas feuilleté au complet parce que vous voyez, je veux vraiment cette année prendre le temps de lire du début à la fin. Là. Oh, les marguerites. Bon bref, je veux vraiment prendre mon temps de lire du début à la fin. Et là, je pense qu'on rentre dans la période qui est très intéressante pour celui-ci. Donc ça, c'est deux livres d'aquarelle que je vais m'y mettre. Et en plus du cours que je vais suivre. Et enfin, il faut que je vous présente. Oh, il y a deux livres. Il y a celui-ci, je vais vous chercher tout de suite l'autre. Il y a deux livres que vous allez trouver absolument sublimes, puisque moi-même, je les ai trouvés absolument sublimes. Et que si vous aimez ce monde-là, vous allez forcément aimer ceux que je vais vous présenter. Ces deux mondes qui sont complètement, qui se rejoignent, mais qui sont vraiment, vraiment différents l'un de l'autre. C'est comme quoi toutes les possibilités se présentent à nous. Tout d'abord, il s'agit de The Mouse Mansion. Alors, moi, je l'ai pris en anglais, mais sachez qu'il existe en français. Là, vous avez le... C'est pas mon auréole, hein. C'est la lumière en fait. Oui, ça me suit. C'est la lumière. Ici, j'ai mis un peu la lumière aujourd'hui pour que vous voyez bien les choses, mais j'ai l'impression que ça vous gêne plus qu'autre chose. Je vais essayer autrement. Voilà, j'ai changé de lumière, mais je pense que vous voyez un petit peu plus sombre, mais au moins vous verrez bien les livres sans reflet. Alors, ça, c'est Mansion Mouse, The Mouse of Mansion. Bon, c'est. Là, une maison. Alors, c'est une Hollandaise, Carina Chapman, qui a créé cette idée, qui a créé ces souris, qui a créé ce livre. Et vous avez donc le livre. Vous voyez, il est grand, le livre. Il est fin, mais il est grand. Et elle a une boutique où vous pouvez acheter, donc, le livre, vous pouvez le trouver partout. Mais sur sa boutique, vous pouvez acheter le livre, vous pouvez acheter aussi des éléments de la maison. Vous pouvez acheter les petites souris et plein de petits goodies. Donc, je vous montre un petit peu. Regardez, en fait, elle a commencé à créer une maison de poupée. Il y a des pièces partout. Et sa maison, elle est immense. Allez lire l'article, il est extrêmement intéressant. Et du coup, elle en a fait des histoires. Et j'ai trouvé que ça correspondait vraiment aussi au projet que j'avais. Regardez, la maison qu'elle a créée, c'est immense. Toutes les pièces. Alors, j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. C'est quand même sombre aujourd'hui. Il y a beau y avoir du soleil, c'est quand même sombre. Regardez un peu toutes ces pièces. Oh, mais quel boulot, quoi. C'est parti d'un meuble et après, on rajoute des pièces et des pièces et des pièces. Et elle en a fait une histoire. Donc, l'histoire de Sam et Julia. Et regardez, ils sont trop craquants. La petite cuisine, le détail, il y a un souci du détail, mais impressionnant. Alors bon, je ne suis pas rendue à faire une maison comme ça, mais vous savez que j'aime beaucoup les petites choses, les petits détails. Je trouve, oh, les petites assiettes, les petites soupières, c'est vraiment mignon. Oh, ils ont des petits bébés, ils ont... Oh, la chambre, non mais regardez la chambre. Il y a même le sac Ikea. Oh,
c'est trop drôle. Enfin, bref, l'histoire est très belle. J'ai pas encore tout lu. Mais je trouve que c'est extrêmement bien fait, ces petites souris. C'est simple, hein. Mais voyez les petites expressions dans les yeux. C'est pourtant rien. Il n'y a rien de spécial. Mais c'est toute l'ambiance qui va avec que j'adore. Oh, on retombe vraiment, vraiment, non, on retombe pas, on reste dans l'enfance, c'est trop beau. Il y a ce livre, donc, qui est très beau. Et alors, un autre livre, qui lui m'a fait beaucoup réfléchir, finalement. Et qui m'a dit, mais oui, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça, c'est moi, ça. Il s'agit de The Brambley Hedge. C'est dans le même style que Beatrix Potter, que Pierre Lapin, Peter Rabbit, mais Brambley Cottage, non, n'importe quoi. J'invente des histoires. The Brambley Hedge. Brambley, c'est tout ce qui est sur les fleurs des champs, les bas-côtés, voilà, c'est ça. C'est, voyez où habitent les petites souris. Alors, c'est l'histoire de souris. Qui est absolument magnifique. Ce livre, en fait, moi j'ai pris le gros coffret, qui regroupe toutes les histoires, c'est-à-dire Spring Story, Summer, Autumn, Winter, The Secret Staircase, The Sea Story, The Poppy's Babies. C'est tout. Moi je l'ai acheté en anglais, mais je pense qu'il existe en français. Vous avez les saisons, chaque histoire de la saison. Vous avez les bébés de Poppy, vous avez l'histoire de la mer, vous avez l'affaire une affaire secrète, vous avez plein de trucs, c'est génial. Et donc elle vous explique en tout début dans l'introduction pourquoi elle a écrit ce livre et comment elle en est venue écrire ce livre. Et regardez les illustrations, splendides. Ouais, c'est splendide. C'est tellement doux, c'est... Oh, c'est agréable. Regardez, ils vivent aussi dans un tronc. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Les souris sont attachantes. Il y a une entraide. Il y a... Oh, c'est... Regardez, quand je vous dis The Brambley, c'est ça, en fait. C'est ce décor-là, un peu de forêt, de champs, de... C'est... Oh, la boutique. Oh, faut que je vous montre un truc que j'ai vu. Regardez, la chambre. Donc, elle, c'est une souris qui est noble. Regardez ici. Vous voyez? Ça, c'est un petit cosy. C'est le détail, hein, c'est chouette. Hein. Eh bien, moi aussi, je vais faire avec vous un petit cosy. Puisque, vous savez, j'en ai plusieurs. Je vais vous en parler après. J'en ai plusieurs et j'aimerais bien coudre un petit cosy d'automne, en projet d'automne avec vous. En fait, ce serait super de faire un petit cosy pour chaque saison. Donc voilà, ce livre qui est extrêmement inspirant. Et là, vous voyez, oups! J'en suis à l'histoire de l'automne et je me lis ça. Oh, alors là, je peux vous dire que vous ne faites pas de cauchemar quand vous lisez ça. C'est trop mignon. Il y a le mariage des souris. C'est... Oh, la vie des souris. Ça donne... Enfin, voilà quoi. Comment ne pas aimer ça? C'est trop beau. Donc ce livre est de toute beauté. C'est celui qui m'a fait réfléchir et qui m'a dit, mais oui, mais c'est sûr, moi j'ai acheté un livre et puis mais pourquoi on n'écrirait pas une histoire ensemble aussi avec ce que j'aime, moi? Voilà. Donc ça, tout ça, c'est les petits achats que... petits gros achats que j'ai fait dernièrement. Et pour finir avec les petits cosy, puisqu'après, je vous laisse, je vais vous montrer ce que c'est pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est. Les petits cosy, il s'agit de ces petits couvre-théières qu'on met sur notre théière quand on a mis l'eau chaude. Ça garde le thé au chaud. Et, faut se l'avouer, c'est quand même très mignon. Donc je me fais pour le fil du panier, vous savez, je me fais tout un panier de petits cosy et vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns. Hop. Et je me suis dit qu'en projet d'automne, ensemble, avec une broderie, on pourrait se faire un petit cosy pour notre thé, pour l'automne. Et je pourrais en faire pour l'hiver, pour le printemps. Et pour l'été, parce que oui, en été, on peut boire un thé. Et puis laisser, même si on ne boit pas de thé, on peut laisser le petit cosy sur la théière. Ça fait une très jolie déco et c'est très beau. Et donc, on fera les broderies. Donc, je vous reparle de ça très bientôt. Vous voyez que ça fait
beaucoup de choses, beaucoup de projets à venir. On va y arriver. Mais on va prendre le temps aussi, hein. Donc ne soyez pas pressés non plus. Laissez-moi le temps de mettre en place les choses. Et on continue nos fils de panier qu'on remplit pour la fin de l'année. Et puis tout doucement, donc moi avec un bonnet, etc. Donc on continue légèrement avec ça. Et laissez-moi le temps de vous préparer des choses. Je vais essayer de vous préparer des vidéos comme il faut. Voilà. Mais vous savez, ça prend du temps. Et c'est pas toujours évident de bien s'installer pour les tutos, etc. Donc ça va être tout nouveau. Mais on va faire ça ensemble. En tout cas, je pense que ça peut vous intéresser d'avoir tout plein de tutos comme ça gratuits, de projets qu'on peut faire qui vous sont accessibles. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Et puis, bah écoutez, t'es content de vous retrouver. Ça fait beaucoup de choses finalement. Je ne sais même pas à combien de temps je vais être. Ça va être au moins 2 h 30, c'est sûr. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous pour cette fin d'été. Ce début d'automne, bah c'est un beau début d'automne. On y arrive tout doucement. Ici, le temps, il a changé. Les arbres ont commencé un petit peu à jaunir, mais très légèrement. Mais en tous les cas, le jardin, je peux vous dire que c'est vide. J'ai coupé mes têtes de tournesol. Je commence à faire mon nettoyage parce que dès qu'on arrive, on a un très bel été. On a une belle fin d'été. Et après, pouf, transition directe. L'automne pluvieux ou l'automne froid et on n'a plus envie de sortir trop trop. Donc on profite du beau temps pour le faire encore. J'ai en plus du réaménagement à faire. Je vais tout vous expliquer la prochaine fois. Ce que je fais, je vous emmènerai un peu dans le jardin. Voilà, donc faites attention à vous. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos petits loups. En tout cas, ici, ça s'est bien passé. Ma fille est en dernière année de collège, donc c'est quand même c'est important. Elle va faire son stage en pharmacie cette année. Je suis trop contente pour elle parce qu'elle est vraiment motivée. Puis c'est le rêve de sa vie depuis qu'elle a 2-3 ans. Elle a parlé très très tôt. Et à 18 mois, elle parlait. Et très très tôt, elle voulait travailler avec les plantes et en pharmacie. Donc voilà. Victor qui est en cinquième, qui lui repense à sa vie par rapport à sa façon de gérer sa maladie. Donc là, pour le moment, il va bien. Je vous remercie. On a eu des hauts et des bas. Il va bien. Voilà, on est suivis tous les deux pour les mêmes problèmes. Donc, mais ça touche toujours plus quand c'est un enfant, hein. Et puis bah, mon petit mari qui lui continue les travaux, je vous ferai aussi un petit tour du salon. Vous verrez, il y a de la poussière partout, c'est affreux. On a fait les saignées dans les murs pour pouvoir passer les fils électriques pour que ça fasse quelque chose de propre. Et là, à chaque fois, je trouve des idées. Je dis à mon mari, oh, j'aimerais beaucoup que tu me fasses un banc sous la fenêtre. Vous savez, ce genre de banc-là, sur les bow windows, ou vous savez, c'est les fenêtres qui sont un petit peu repoussées vers l'extérieur. On avait ça au Canada et ici on n'a pas ça, mais sous la fenêtre, j'ai demandé à mon mari de faire un banc où je vais mettre des coussins où on peut s'asseoir devant la fenêtre et lire, quoi. C'est super dans le salon. Donc là, je lui rajoute du projet. Mais enfin, ça va, il est adorable parce qu'il accepte tout. Donc c'est bien. Et puis donc les projets, travaux, tricot, tout ça, jardin, tout. Je vous montrerai tout. Et on cuisinera ensemble aussi. Donc c'est reparti pour une année ensemble, une année scolaire. Puisque vous savez que bon, en décembre, bon, je prends un peu de congé, je prends une pause. Toujours en fin d'hiver. C'est mon corps, il est fait comme ça, j'ai besoin de ça. Je suis comme une marmotte, il faut que je me rentre dans mon petit trou. Mais je vais vous laisser plein de projets à faire. Et puis bah, l'été en général, je passe les moments surtout avec mes enfants. Donc voilà, donc une année scolaire ensemble, on fait. Voilà. Et puis bah écoutez, bon projet, bon tricot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de blabla. J'espère que c'est pas trop décousu, mais j'ai tellement de trucs à vous montrer que pour le coup, j'avais pas le choix de faire comme ça. Et puis on se retrouve bientôt avec des nouvelles choses. Et puis en attendant, bah, je vous embrasse. Moi, je redescends me faire un petit thé et taper dans ma réserve de gâteaux. Et puis, on se dit à bientôt. Alors, on va faire la jupe pour Connie ensemble. Pour faire une jupe pour couper, vraiment très simple. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez prendre un coupon de tissu, en général rectangulaire. Voilà. Là, je vais vous mettre les dimensions ici en barre de description.
Et vous les retrouverez aussi sur le blog, les dimensions, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Donc moi j'ai choisi un coupon de double gaz. Je vous montre un petit peu. J'ai pris ce coupon-là. Alors tout simplement, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va faire l'ourlet du bas. Pour ça, vous allez prendre votre tissu sur l'envers. Vous allez faire un pli d'un centimètre ici sur la longueur. Et vous allez faire un autre repli sur lui-même pour avoir un bel ourlet. On va mettre des pinces et on va le coudre à la machine. Là, ici, je ne vais pas repasser mon tissu, vu que c'est de la double gaze, j'ai pas trop envie de la repasser. Elle va se mettre toute seule. Mais on peut passer un petit coup de fer, je passerai un petit coup de fer dessus après. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer. Déjà, la base. La base, c'est de faire l'ourlet du bas. Donc c'est parti, je vous montre ça, je vais mettre les pinces. Je viens faire un petit pli comme ça tout le long. Ici ma double gaze, ça se prête bien puisque il y a déjà des plis qui sont comme formés dans la double gaze. Vous les voyez toutes les petites lignes, donc ça va super bien à plier. Cela dit, si vous avez un coton tout simple, c'est mieux de mesurer et de passer un petit coup de fer pour bien aplatir votre pli, comme ça vous êtes sûr qu'il tient bien. Donc voilà, ça c'est mon premier pli. Maintenant je vais faire un deuxième pli pour bien fermer. Parce que ici, vous voyez, c'est pas très joli. On va faire ça bien proprement. Donc on va replier sur lui-même. Et on veille à ce que ce soit à peu près, que ce soit toujours dimension égale. Hein. On ne va pas se retrouver avec un ourlet comme ça. C'est pas possible. Donc hop, vous repliez sur lui-même bien proprement. Et là, vous remettez des pinces. Hop, vous enlevez les premières là et vous les reglissez de l'autre côté. Ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. Hein, vraiment. Puis alors là, des petites jupes, vous pouvez vous amuser à en faire. Une petite jupe pour poupée, ça va très bien à faire. Hop, après ça, vous faites un beau petit pull par-dessus et là, c'est super joli. Donc voilà, ça, c'est première partie. Donc là, on va venir faire un petit point de couture tout le long pour maintenir ce pli. Et puis ensuite, on passe à l'autre côté. Donc, je vous fais la petite couture. J'ai mon ourlet qui est fait. Donc ça va être l'ourlet du bas, le bas de la jupe. Ça va venir sur le bas. Maintenant, on va s'attaquer en haut de la jupe. Même opération, mais en faisant quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. Donc, on va venir plier ici. Hop. Je fais un petit repli. Pareil, à peu près un centimètre. Et là, je vais replier, mais un peu plus loin. Je vais laisser 2-3 cm pour pouvoir passer mon élastique. Après, si vous voulez que l'élastique soit vraiment bien collé dedans, vous pouvez faire plus petit.
Si vous voulez vous lancer la première fois et que vous avez peur de rester coincé avec l'élastique, vous pouvez faire un petit peu plus large. C'est pas très grave. En fait, l'élastique, ça va froncer, ça ne se verra pas trop. Donc moi, je vais faire un petit peu plus large. Je vais essayer à peu près de mettre 2 cm à peu près. Je reprends mes pinces. Hop. Et je viens maintenir. Et là, je vais garder les épingles. Ici, en attendant, comme ça, je vais garder mes petites épingles ici pour bien maintenir. Pareil, encore une fois, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le tissu, prenez bien vos mesures et surtout, vous mettez un petit coup de fer pour bien aplatir, comme ça ne bouge plus. Et comme ça, hop, c'est bon. Voilà, je vais venir, pareil, coudre, mais je vais coudre à 2 cm du bord, vous voyez? Ici, 2 cm, 2 cm et demi à peu près. Ici. Donc c'est parti, je reprends ma machine et je vous fais ça. Donc là, je suis bien à 2 cm pour ma jupe. Hop. On va doucement, on n'est pas pressé. On tient bien les bouts de tissu. C'est fait, le haut est fait, le bas est fait. Alors voyez le bas, tout petit repli, et en haut, un plus grand repli pour laisser passer l'élastique. Alors, pas d'inquiétude, je veux dire, les poupées ne vous en voudront pas si vous faites, si vous dépassez un peu, voilà, vous faites au bord, si vous dépassez un petit peu, si ça bouge votre tissu, pour pas paniquer, ne vous empêchez pas de faire des choses. Pour notamment les poupées, hein, on n'est pas non plus, voilà, là c'est pour bricoler, c'est pour s'amuser. Donc entraînez-vous à peut-être faire, là on l'a fait vite et je fais avec de la double gaze, mais si vous faites avec du coton tout simple comme celui-ci, attendez, je vais vous montrer ça. Si vous faites avec un coton bien plat, passez un coup de fer, repliez bien et là vos coutures seront bien plus belles. La double gaze, en général, ça bouge, donc pas de souci avec ça. Alors, vous voyez que là, ici, vous avez votre grand repli qui est fait. Et là, vous allez y passer avec une pince, vous allez y passer l'élastique. Alors, comment choisir la taille de l'élastique? Alors, pour choisir votre élastique, moi, j'ai acheté un élastique qui va un peu passe-partout, on va dire. Chez Butinette, c'est du 12 mm. Vous pouvez prendre un peu plus petit, 12 mm, c'est déjà pas mal, ça fait un bel élastique pour faire des jupes pour les poupées. Vous voyez, il est quand même bien, bien épais et bien large. Donc là, vous prenez votre poupée, vous prenez son petit bedon, puis vous allez faire le tour, tout simplement, en laissant. Alors moi, je fais comme ça, hein, je vous dis, c'est mon petit tuyau. On ne se casse pas la tête, on est là pour bricoler. Donc vous prenez, vous faites le tour de son petit bedon. Et ici, vous laissez 1 cm de plus. Voilà. Donc là, je laisse 1 cm de plus que le tour de chaque côté des extrémités. Hop, je coupe. Vous voyez, j'ai mon 1 cm de chaque côté.
Comme ça, quand je vais coudre ma jupe, ces deux petits bouts-là pourront se coller ensemble. Et puis là, ma jupe, elle va bien tenir. Vous voyez? Ça, c'est le petit bedon. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle poupée. Par exemple, quand on va faire une jupe pour Wilma, on va reprendre... Il y a tout qui tombe. On va reprendre Wilma, on va prendre notre petit élastique, peut-être de l'élastique un peu plus fin pour cette poupée, mais on va prendre l'élastique, on va refaire le tour de son petit bedon, et hop, on va faire comme ça, on va pincer. Vous voyez, je laisse l'élastique comme ça. Et on vient couper pour avoir la taille de l'élastique pour la jupe. Parce que tout dépend, je ne peux pas vous donner une taille. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est de l'approximatif. Tout dépend si vous rembourrez bien, fort ou pas vos poupées. En tous les cas, voilà, ça c'est une petite technique très simple pour faire une jupe pour les poupées. On coupe le petit élastique par rapport au bedon. Et ça va très bien. Alors là, je coupe mes fils qui dépassent. Tac. Bon après, entraînez-vous avec les poupées de vos enfants ou petits-enfants. Hop. La technique de la pince à nourrice. L'épingle à nourrice, c'est quand même ce que je trouve le plus facile. On vient piquer dans l'élastique. Et avec ça, on va passer à travers notre grand repli, notre espace spécialement réservé pour l'élastique. Donc là, hop, je passe le bout. Et surtout, à mesure que j'avance, je fais bien attention de tenir le bout après pour pas qu'il s'ouvre dedans, parce que pour le rattraper, ben, faut tout recommencer. Donc là, c'est parti. Hop. Vous voyez, hop, on glisse l'élastique. Et vous voyez, je le tiens toujours ici dans la main pour ne pas l'échapper. Donc ça, c'est une petite technique. Bon, c'est rapide, hein, c'est pas bien compliqué. Après... vous voulez vous faire une jupe facile pour vous, rapido, bah c'est le même principe. Bon, moi, j'ai fait l'ourlet avant. Mais normalement, en fait, l'ourlet, vous pouvez faire l'ourlet après quand c'est pour une jupe d'adulte. Là, si vous êtes dans les bonnes mesures, normalement, vous devriez bien tomber. Voilà. Et hop. On ressort l'élastique. Vous voyez ici, j'ai maintenu mon bout. Je vais bien centrer tout ça. Je vais venir, endroit contre endroit, coller le tissu de ma jupe. Et vous voyez ici, j'ai laissé sortir l'élastique, je vais le re-rentrer encore un petit peu. Je vais laisser sortir, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Un demi centimètre, histoire de dire que je ne le perds pas. Voilà, donc de chaque côté. Et je viens mettre une pince. Je viens mettre une pince ici, j'enlève mon épingle. Et là, maintenant, mon élastique est bien tenu. Voilà. Ensuite, je viens épingler tout l'arrière de ma jupe avec des petites pinces. Vous voyez ici, normalement, quand on a les bonnes mesures, bah, ça tombe juste bien. Et c'est possible des fois que le tissu bouge. Et que on est un tout petit décalage, donc dans l'idéal, on fait le petit petit ourlet à la fin. Et là, on est bon dans nos mesures. Oh, puis en plus, c'est pour des poupées et c'est pour s'entraîner. Donc hop, on met des petites pinces tout le long et on va venir faire une couture à la machine tout le long ici, à environ. Un demi centimètre, un centimètre. Voilà, entre un demi centimètre et un centimètre. On vient faire une petite couture tout le long. Alors, hop. Je reprends ma machine. Et on fait ça. Et surtout, on va bien insister pour bien fixer l'élastique parce que ça... C'est quand même la chose la plus lourde. Voilà. Donc là, des allers-retours. Et c'est parti. On coud tout le reste de notre jupe.
vient couper le surplus d'élastique. Tac, couper les petits fils. Couper nos petits fils derrière. Et si on veut une belle finition, on va surfiler ici à la machine pour que ça fasse plus propre, pour pas que ça s'effiloche. C'est parti, on surfile. On va venir faire des petits zigzags tout le long et ça va reprendre. Et voilà. Hop, on coupe tout ça. On coupe les petits fils qui dépassent. Et voilà, on est bon. Hop. On a notre jupe qui est sur l'envers. On va venir équilibrer l'élastique. Hop, on étire juste un petit peu. On remet notre jupe à l'endroit. Et on a une belle petite jupe pour Connie. On n'a plus qu'à lui enfiler sa jupe. Moi, j'aime bien que ça monte un petit peu haut sur le ventre. Comme ça, ça maintient bien. On met le petit gilet par-dessus. Et voilà. On a une petite jupe pour Connie. On a sa petite jupe. Et je vous montre ça. Je vous la montre en entier. Voilà, on a fait la petite jupe pour Connie. Voilà ce que ça donne. Une petite jupe toute simple. Vous voyez ? On a fait ça vraiment très très simplement. Après, il y a le décor qui s'écroule. Après, on peut faire ça plus court. Vous pouvez, moi j'ai fait une jupe longue, mais vous pouvez la faire plus courte. Il n'y a aucun problème. Vous mettez la dimension que vous avez envie. Moi ici, je l'ai faite longue. Hop, parce que je trouve que ça l'agrandit encore plus. Mais voilà, vous pouvez la faire courte, c'est pas mal non plus. On voit ses petites jambes. On va bien lui placer son petit gilet avec les boutons en petit cœur. Là, les petits boutons en petit cœur de nacre, ça j'adore. Je trouve que ça passe vraiment partout avec les petits gilets, les petits tricots. Là, c'est trop joli. Si vous allez voir, je vous mettrai le lien. Vous pouvez en commander. Enfin, un petit paquet, ça peut valoir le coup. On lui remet son petit bandeau. Hop. Et voilà. Vous avez connu une grande girafe. Vous voyez, celle-là. Ça l'agrandit, si on lui fait ça, ça la rétrécit si on met la jupe plus courte. Et voilà, vous avez Connie. Oui, c'est ça, Connie. Je suis mêlée dans les noms. Connie la girafe avec sa petite jupe. Vraiment une jupe toute simple, toute simple. Et voilà, avec uniquement la couture sur l'arrière. Ça, c'est la méthode la plus rapide, la plus simple. Je vous montrerai d'autres façons de faire des jupes. Voilà. Ça, c'est la plus... Après, vous voyez ici, elle n'est pas très froncée. Plus vous allez mettre un carré, enfin un rectangle très grand, plus vous allez avoir de fronces. Plus vous allez être froncé. Comme ça. Là, ici, c'est très, très, très simple. Et voilà. Bon, j'espère que ça va vous aider si vous voulez vous lancer à faire des petites jupes pour vos poupées. Ou en tous les cas, une première jupe facile pour Connie. Et puis, plus tard, on verra pour faire d'autres petites jupes. Soit dit en passant, si vous voulez changer les vêtements de Connie avec Sally, avec Betty, c'est tout à fait possible puisque les poupées ont la même dimension. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, si vous allez chercher les patrons, vous pouvez essayer de faire la robe ou voilà l'autre pull, etc. Il n'y a pas de problème. Mais bon. Voilà, c'était un premier petit tuto facile pour faire une petite jupe. Thank you.
je vais vous montrer comment on tricote une petite boule, une petite nœud. Donc, ça se fait sur une maille. Vous allez tricoter la maille à l'endroit, comme ceci, mais vous ne laissez pas tomber la maille. Vous ne la laissez pas retomber de votre aiguille gauche. Vous venez passer votre fil sur l'avant de l'aiguille pour tricoter à nouveau cette même maille, mais à l'envers. Comme ceci. Hop, et vous laissez toujours la maille sur votre aiguille de gauche. Vous repassez le fil à l'arrière pour tricoter à nouveau la même maille à l'endroit. Vous ne la laissez pas retomber et vous allez encore une fois passer le fil à l'avant pour retricoter la même maille à l'envers. Et là, vous avez monté 4 mailles. Vous pouvez relâcher la maille et repasser votre fil de l'autre côté. Et regardez, ça vous donne cette maille qui a 1, 2, 3, 4 mailles de créer dans la même maille. Vous allez tourner votre tricot sur l'envers et vous allez tricoter ces 4 mailles. Hop, vous allez les tricoter à l'envers. Envers sur envers. 1, 2, 3 et 4 mailles. Voilà, vous avez tricoté 4 mailles à l'envers. Vous retournez à nouveau votre tricot avec l'endroit face à vous. Vous reprenez votre fil et vous allez tricoter à nouveau ces 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4 mailles sur l'endroit. Vous retournez et vous retricotez dans l'autre sens les 4 mailles sur l'envers. Alors attendez, hop, je reprends mon fil, mon aiguille. Voilà, vous allez retricoter à nouveau ces 4 mailles sur l'envers. En fait, on ne fait que des allers-retours endroit envers sur ces 4 mêmes mailles. Hein. Voilà. On retourne à nouveau sur l'endroit. Et alors là, on va faire nos diminutions. Voyez ce que ça vous donne en attendant? Ça vous donne ces petites mailles là ici qui sont regroupées. Vous allez faire un surjet simple. On glisse la première maille, on tricote la deuxième et on vient repasser la première maille par-dessus la maille tricotée. Première réduction. Les deux autres mailles qui suivent, on les tricote ensemble à l'endroit. Hop. Et voilà, ça vous donne ça. On retourne le tricot sur le côté envers et on va tricoter ensemble les deux dernières mailles, mais à l'envers. Ensemble à l'envers. On retourne à nouveau et voyez ce que ça vous donne. Il vous reste juste ça. Vous allez prendre votre aiguille de droite et vous allez tout simplement glisser la maille sur l'aiguille de droite et continuer votre tricot comme si de rien n'était en continuant le patron. Et là, vous avez créé une petite nœud, une petite boule. Voilà, tout simplement comment on fait. Alors, le deuxième point que je vous ai expliqué, c'est cette petite torsade, là, en fait, qui ici ne fait juste qu'un relief. Mais si vous regardez bien, vous voyez les mailles, ici, les mailles sont twistées, elles partent comme dans les torsades. En fait, c'est une mini torsade. Là, je n'ai pas encore bloqué mes chaussettes. Je vous montre comment je fais ce point, c'est tout. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, c'est facile. Comment on fait? Il suffit de jouer sur deux mailles. Si vous faites, comme je vous l'ai déjà dit, une maille envers avant et une maille envers après, votre torsade, elle va bien sûr plus ressortir. Là, je voulais juste fondre un point dans le tricot. Donc, on prend deux mailles ensemble. Pour les tricoter ensemble. On les tricote ensemble.
mais on ne laisse pas retomber les mailles de l'aiguille. Avec votre aiguille de droite, vous venez piquer dans la première maille près de la pointe et vous venez la tricoter à l'endroit. Voilà ce que ça vous donne, les deux mailles ici et les deux mailles sur la nouvelle aiguille. Et là, vous pouvez tout laisser retomber. Et là, ça vous twiste les deux mailles. Et quand vous allez tricoter vos rangs suivants, eh bien voilà, ça va vous donner ce petit V ici. Cette petite maille qui s'en va sur le côté. C'est une torsade qui part vers la droite. Je vous montre si on... Ben, ça se verra pas. Elles sont terminées, donc je viens vous les montrer un petit peu. Voici les chaussettes, donc inspirées de la collection Shakespeare. Donc, c'est les Perdita, en référence à un conte d'hiver, puisque Perdita, dans sa tirade, mentionne des fleurs pour vous, et elle mentionne notamment la menthe, parmi la lavande, la sauge, etc. Et je trouve que ça ressemble vraiment, vraiment aux fleurs de menthe, qui sont d'un petit violet très clair, très pâle. Et donc, bah, je trouvais que ça se prêtait très bien à ces chaussettes, puisque quand vous regardez le dessous des feuilles de menthe, il est très très pâle aussi. Donc voilà, peut-être un peu plus foncé que ça, c'est sûr. Mais voilà, donc là, je vous les présente. Voici les Perdita. Et je vais juste vous remontrer un petit peu, vous voyez là, la petite bande ici qui fait un petit relief. Alors ça fait comme une tige et puis vous avez ici la dentelle sur le bas. L'avantage de ces chaussettes là, c'est que bon, la tige elle est inversée, donc quand vous allez tricoter, voyez, la tige ici est vers l'intérieur, vous pouvez les intervertir et mettre la tige vers l'extérieur. Vous pouvez choisir de faire votre chaussette comme vous sentez. Vous pouvez faire même les tiges du même bord, etc. Vous verrez que dans le patron, il y a deux grilles. Il y a la grille pour le point, pour le pied gauche et la grille pour le pied droit. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne en termes de dentelle. Puis, je vais vous les montrer sur mes pieds de toute façon. Voilà. Hop. C'est super fin. J'aime beaucoup. Alors la laine elle est vraiment chouette, hein. Vraiment, voilà. Donc j'espère que l'explication du point ça va vous convenir, et puis vous verrez que c'est facile à faire. Hop. Et voilà. Donc, je vous les passe et je vous les montre.